1, 2, 1, 2. Ah non, non. Hein? Ah ouais, ouais. c'est bien. Un, 1, 2. Non, il marche pas. Vas-y. 1, 2. 1, 2. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer. Pour commencer, je propose de désigner un secrétaire ce soir et je laisse la main à Paul Malret pour faire l'appel. Bien. Voilà. Ok. Fabien Aufrechter. Présent. Olivier Melsens. Présent. Ida Gontier. Présente. Malret Paul. Présent. Louisette Fédière. Michel Debget. Marie-Claude Bourdon-Benamou. Présent. Eugène Dalle. Carole Godard. Présent. Olivier Lugic. Socrate Gabriel Didiès. Philippe Lenfant. Représenté. Abderrahim Chaboun. Caroline Pissica. Présent. Catherine Charuel. Georges-Édouard Bacle. Présent. Rania Slim. Anthony Herry. Présent. Sophie Garec. Présente. Maria Da Silva Parota. Présente. Ania Rejal Ortelli. Représentée. Cyril Aufrechter. Présent. Pascal Dehay. Julien Fréjabu. Continue. Philippe Lussault. Fabien Neuard. Fabien Lemoine. Présent. Blaise François Dainville. Présent. Jean-Marie Moreau. Jean-Marie Moreau. Pardon. T'es pas... Myriam Leblay. Présente. Christian Lelièvre. Présent. Nadia Benalla. Représentée. Thierry Huret. Présent. Merci. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir commencer. La première chose, c'est l'approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 12 octobre dernier. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions à propos de ce compte-rendu.
S'il n'y en a pas, je propose qu'il soit considéré adopté. La première délibération est relative à l'écologie et je laisse Ida Gontier parler de l'instauration d'un périmètre d'études sur les Hauts-de-Verneuil. Bonsoir à tous. Alors, suite en fait à la démarche qui avait été faite de faire du porte-à-porte pour demander de l'avis des Vernoliens lors de la campagne municipale, il avait été remonté qu'il y avait beaucoup de demandes sur l'aménagement des Hauts-de-Verneuil. Donc c'est ce que nous avons voulu prendre en compte dans cette étude. Donc l'idée générale de l'étude, c'est en fait de faire entrer toute la végétation de la forêt à l'intérieur de la ville à travers divers aménagements qui vont toucher à la fois les espaces verts, mais également tout ce qui est voirie. Donc ainsi, comme vous pouvez le voir sur la carte, ça démarre au niveau du bois, ça prend la coulée verte, le jardin Marcel Gottlieb, anciennement les Groux, les jardins d'Aguilar et l'entièrement toute la zone de Ponce. Donc ce soir, nous avons avec nous Éric Germain, qui fait partie de la société Folux, qui est paysagiste et concepteur, et donc qui va vous expliquer un peu plus en détail cette étude. Vous avez un micro juste là, si vous voulez. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Alors, mon métier, c'est donc le paysage et la conception du paysage. Et donc, j'ai la chance de travailler sur ce sujet. Alors, ce qui est intéressant à Verneuil, c'est que nous avons déjà une très bonne base en paysage, hein, contrairement à d'autres territoires. Ici, on a encore la trace liée à la forêt, mais aussi la trace liée à la ruralité qui a existé ici à une époque. Donc, par exemple, le parc Aguilar est intéressant à ce sujet-là, puisque nous avons encore la présence des fruitiers, la présence des anciens jardins, enfin, toute une matière qui peut nous servir à travailler sur ce projet. C'est la même chose sur Gottlieb, par exemple. Sur la coulée verte, nous avons une trame végétale très intéressante sur laquelle on peut s'appuyer pour venir travailler. L'idée, c'est de trouver un lien entre tout ça. Donc, c'est de relier les espaces les uns aux autres pour que vous puissiez avoir le bénéfice de promenades ponctuées d'endroits emblématiques. Donc avec chacun son caractère. Alors, le territoire sur lequel nous sommes ce soir sur Ponce, c'est un peu différent. Donc c'est un endroit qui a été pas mal bâti. Nous avons un travail à faire sur la lisière, par exemple. Je viens d'arriver à l'instant et on voit d'assez loin les terrains de football qui sont éclairés, donc une absence de végétation donc, entre la partie agricole et puis le début de la ville. Donc, en termes de paysage, la notion de lisière, c'est quelque chose de très important, de pouvoir avoir une progression donc entre l'agriculture ici et puis le bâti. Donc on a encore une chance de faire du lien à cet endroit-là. La manière de faire du paysage aujourd'hui, par chance, elle a évolué, c'est-à-dire qu'on ne parle plus beaucoup d'espace vert, et heureusement. On parle plutôt de paysage, de jardin, donc une manière un peu plus polie au niveau de ce qui se passe dans le paysage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau du parc Aguilar, il y a déjà eu une nouvelle façon de l'entretenir, c'est-à-dire que l'époque où on traitait, où on tondait tout, on passait le rotofil partout, ça commence à passer un petit peu et on a un regard un peu différent sur la façon d'entretenir pour laisser les refuges, parce que maintenant le jardin, les parcs publics sont associés aux refuges pour la faune et la flore. Donc c'est vraiment de cette matière-là qu'on peut travailler sur ce territoire qui nous offre de très nombreuses possibilités. Le jardin est devenu nourricier aussi maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans des espaces publics qu'on n'a pas le droit de planter des fruitiers, donc les vergers, ce que j'appelle moi les haies à confiture. Hein, donc on peut planter des groseilliers, des cassissiers, des choses comme ça pour pouvoir aller faire ses récoltes. C'est quelque chose qui se fait. Alors, je ne dis pas ça pour faire bien être à la mode, parce que moi j'ai une agence qui date depuis plus de 30 ans.
J'ai beaucoup de projets de cette matière-là. Et on peut même aussi intégrer des animaux dans les paysages aujourd'hui. Tout ce qui vous fait plaisir à vous, vous tous, toutes et tous, quand vous partez en vacances et vous allez rechercher cette matière en fait, qui nous fait du bien à tous. Et nous sommes tellement attachés à cette ruralité, cette nature et cette forêt. Voilà. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel on serait amené à travailler sur tout ce territoire. Merci beaucoup. L'objectif ce soir n'est pas de travailler encore, de présenter des plans finis, d'études plus précises de paysagistes, mais bien de voter déjà le périmètre d'études afin de pouvoir lancer dans la foulée justement ces fameuses études qui permettront de retravailler le paysage de l'ensemble des espaces verts, des futurs jardins qui parsèment les Hautes-Verneuil. Je ne sais pas s'il y a des questions suite à... Oui, je vous en prie. Donc moi, j'ai une question. Dans le périmètre, il y a une propriété privée, la propriété privée des Gros. Je voudrais savoir s'il y en a d'autres dans le périmètre. Absolument. Il y en a notamment, je ne sais pas si vous voyez, le petit triangle qui est à côté de Ponce, qui longe la route, qui nous permet de venir ici. En fait, ça se subdivise en parcelles agricoles, dont certaines, nous ne connaissons pas les propriétaires, donc elles sont privées. Certaines appartiennent à la mairie, d'autres non. Et donc, on est en pleine recherche, justement, des propriétaires disparus, entre guillemets, de ces parcelles. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, je vous propose de la mettre au vote. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? J'en déduis qu'il y a unanimité pour. Et, en effet, c'est l'unanimité pour un futur beau projet, comme on dit. Je vous propose donc de passer au sujet suivant lié à l'urbanisme et je laisse la parole à Eugène Dahl pour parler d'avenants à deux conventions. Oui, il s'agit d'une convention qui nous lie actuellement avec le PFIF. Cette convention a été signée à l'origine en décembre 2014. Elle était valable 3 ans jusqu'à décembre 2017. Elle a été prolongée une première fois en 2018, une deuxième en 2019, une troisième en 2012. Et cette fois, nous attaquons la quatrième 2021 et bientôt, et maintenant la cinquième en 2022. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ce que je peux vous dire, cette convention, vous la connaissez tous. Ça fait déjà 2 fois ou 3 fois que nous en parlons ensemble. Elle nous lie avec le PFY sur les terrains qui sont sur la pointe de Verneuil, lesquels font partie d'un périmètre d'études qui a été voté par nous en octobre 2021. Et donc, ce que je vous propose, c'est de prolonger cette convention qui a pour objet la remise en état du bien, sa gestion transitoire et la poursuite des études de définition du projet. Or, ces études vont démarrer et j'espère que nous aurons des résultats d'ici fin de l'année prochaine. Voilà. Donc, ce que je vous demande, c'est de voter sa prolongation telle que nous l'avons définie avec le PFY. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. J'ai juste une prise de parole. Il y a une coquille dans l'objet de la délib. Donc c'est l'établissement public d'aménagement du Mantois Sénaval et il n'est pas foncier, en fait. Oui, c'est vrai. Il y a une erreur. Oui. Ça sera corrigé, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Oui, j'ai une question. C'est quoi votre projet, en fait, sur cette marina ? Ex-marina, excusez-moi, sur cette zone-là, dit ex-marina. Je vais répondre à la question. Il y a un projet qui va se faire, bien évidemment, puisqu'on a voté un périmètre d'études. Qui dit périmètre d'études dit études. Et ces études vont commencer, d'ailleurs incessamment sous peu, et vont durer le temps nécessaire à définir exactement la totalité des choses que nous comptons faire sur cet ensemble. Oui. Moi, je crois je rappelle quand même qu'à l'époque, M. Totou, il a mis 5 ans pour s'en sortir. Alors, attendez. C'est quoi votre projet sur cette zone-là ? Je pense que, quand même, vous savez un peu à cette période-là. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas de projet ? Non, nous n'avons pas à répondre à cette question maintenant, puisque de toute façon, l'étude va être lancée.
C'est un tout petit peu inquiétant, très honnêtement, que vous ne sachiez pas exactement ce que vous vouliez faire sur cette zone-là et qu'il y ait à ce point-là des inconnus. L'exposition financière est très importante. Très importante. Non, pourquoi ? Vous dites non, monsieur le maire, donc pourquoi ? Moi, j'attends plutôt que vous nous expliquiez quels sont les risques. J'écoute. Et je voudrais savoir les montants aussi de risques, puisque vous avez l'air de connaître le sujet. Oui, il y a à peu près un montant de 8 millions d'euros qui est engagé sur cette somme-là. En charge de la commune ? Et en charge de plusieurs acteurs. Eh oui, et donc pas de la commune, donc vous n'êtes pas au bon endroit. Ah, je suis tout à fait au bon endroit, je trouve ça dommage que vous répondiez avec une telle agressivité. Bah non, je sais pas. Mais donc il y a une charge d'à peu près 40% pour la commune, sur une demi-zone. On va dire qu'il y a 8 millions à peu près pour ce qu'on appelle le département. Et il y a une zone après qui est séparée en deux à 60-40% entre la GPSEO et la commune. C'est faux ? Excusez-moi, il me semble qu'on a présenté plusieurs fois le projet que nous avons, non pas pour cette partie, mais pour l'ensemble du nord du chemin de fer. Il me semble, dites-moi si je me trompe, qu'en commission, vous avez eu tous les documents plus précis. Eh bien, reprécisez peut-être à tous les Verneuliens qui nous écoutent ici, quel est votre projet sur cette zone-là ? Je trouve que on est dans un débat public et bien que sûr. Le conseil municipal a vocation à expliciter tout ça. Et je bien pense sûr. Que, de toute évidence, il y a une exposition financière qui est importante et qui donc fait qu'il n'y a pas simplement un signateur qui est le PFY, le PFI, enfin le PFIDF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, il y a la GPSEO et les PAMSA. Donc ça veut dire qu'eux aussi sont exposés et que ce projet, en termes d'exposition financière, ils y ont voix au chapitre. Absolument. Donc ce que je voudrais savoir, c'est quel est le projet que vous avez ? Absolument. Aujourd'hui, le projet, moi, je ne m'en suis jamais caché. Ce n'est pas seulement travailler la pointe de Verneuil, qui est le sujet de ce soir, mais plus exactement, de travailler l'ensemble du nord du voie ferrée. J'ai eu l'occasion, en conseil municipal, et de toute manière, de manière publique, je n'ai pas à m'en cacher, de présenter plusieurs fois les différents projets que nous portons. Et nous souhaitons, en effet, associer une réflexion globale qui intègre le nord des voies ferrées au niveau de la gare Verneuil-Verneuil, qui intègre la pointe de Verneuil, et qui intègre la fameuse zone des trois étangs, qui aujourd'hui est une zone industrielle en décroissance, et qui sera demain l'arrière du polyol des Clairières. L'objectif de la délibération que vous avez votée, que le conseil municipal a votée la dernière fois, au dernier conseil, c'était de pouvoir lancer une étude en intégrant l'ensemble de ces parties. Vous ne pouvez pas me demander en 4 semaines d'avoir les résultats d'une étude qui va prendre des mois, pour ne pas dire quelques années. Philippe Tautou a mis 5 ans pour faire naître un projet de marina. Je ne mettrai pas 5 ans à vous proposer un projet plus global qui intégrera l'ensemble de ces espaces et surtout, comme je l'ai dit la dernière fois déjà, qui sera à la fois une preuve que nous pouvons mettre la commune hors de risque financièrement parlant, mais au-delà, qui sera rentable pour l'ensemble de ces collectivités. Donc la dernière fois, on a discuté que justement Philippe Tautou avait un projet sur cette zone-là, comme vous dites, et que, je dirais, l'aménageur avait déjà engagé des frais. Et que ces frais étaient, en plus de la somme d'acquisition auprès de l'établissement public foncier d'Île-de-France, était une somme éventuellement à rembourser à l'aménageur. Vous dites que non ? Je ne sais pas, vous avez l'air d'avoir beaucoup d'informations ce soir. C'est ce que vous avez dit la dernière fois. Vous avez dit que vous aviez un accord avec l'aménageur pour c'est le pas, faire... Ce n'est pas ce que j'ai dit, non. Alors vous avez dit quoi ? Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour lier la zone des trois étangs avec la pointe. Et que l'objectif, c'est qu'on s'y retrouve financièrement avec une péréquation sur les deux terrains. Non, la dernière fois, vous avez certifié qu'il n'y aura aucune contrepartie financière demandée par Urbanera à la ville. Bien sûr. Donc vous le confirmez. Enfin, je vais prendre la parole. Hein. C'est moi qui ai discuté avec Urbanera. Urbanera, quand il a demandé 2 millions pour son étude, quand je suis arrivé, j'étais accompagné d'ailleurs, il y avait un témoin, j'ai dit si c'est ça, je me lève et je m'en vais. Et là, ils ont dit, vous vous rasseyez. Où en est-on des 2 millions ? Ils ont dit, on vous le demande pas. Voilà où on en est. Deuxièmement, je vais aller plus loin, c'est que de ce fait-là, Urbanera, c'est lui qui aura la maîtrise d'œuvre de la nouvelle étude. Et ça me paraît tout à fait normal. Donc il y a bien une somme de 2 millions qui est en jeu, en plus ? Mais non, arrêtez, il n'y a pas de somme du tout en jeu, c'est fini, on n'en parle d'accord. plus. Mais vous avez un accord écrit là-dessus ? Nous avons un accord verbal, moi je suis un homme de parole, en général je tiens toujours ma parole, et eux pareil, ils sont comme moi.
Tant mieux, et franchement, c'est tout à votre honneur. Mais en général, les écrits sont un tout petit peu plus forts que les paroles. Je peux vous dire une chose, c'est que Urbanera n'avait aussi pas de commande particulière sur cette opération, si je me rappelle bien. Il a fait toute son étude. Il ne me semble pas qu'il ait demandé un sou à la ville. Il faudrait que vous arrêtiez. Vous faites de la polémique pour rien. Là, non, vous faites vraiment de la polémique pour rien. Non, pas du tout. Non, écoutez, je crois que vraiment... Vous faites de la polémique et vous devriez vous arrêter. Parce que tout ce que nous faisons actuellement, c'est justement, on transforme cette zone-là en une zone qui sera super... Enfin, je l'espère, puisque... Moi, j'ai quelques idées quand même, mais je vous les donnerai pas, puisque je vais les discuter avec à la fois Fabien et puis l'aménageur. Vous faites toujours des polémiques sur des choses qui, aujourd'hui, sont réglées. Alors, arrêtez de nous casser les pieds, point final. Je suis désolé de parler comme ça, mais il y a un moment, quand vous insistez comme ça, c'est une preuve de, je sais pas, de vouloir embêter le monde, je sais pas ce que vous voulez faire. Nous rendrons des comptes à la fin de notre mandat. Point. Moi, je trouve qu'en guise de transparence, c'est un petit peu logique qu'on vous demande la progression, qu'il y a une exposition financière qui est importante. Bien sûr, mais peut-être pas chaque semaine. On vient de vous le dire, c'est à chaque fois, c'est la même chose. Arrêtez. C'est pas à chaque fois, il y a une délibération. À chaque fois, c'est toujours des questions comme ça. Chaque fois, c'est la même réponse. Alors, perdez pas votre temps, attendez que l'étude soit terminée. Vous ferez partie des gens à la commission qui auront tous ces renseignements. C'est pas à chaque fois, il y a une délibération aujourd'hui qui reconduit cet avenant, qui reconduit cet accord pour un an. Je trouve ça logique qu'on en discute. Je ne comprends pas. Effectivement, il y avait l'instauration d'un périmètre d'études lors du dernier conseil municipal. Maintenant, et je l'avais dit au moment du précédent conseil municipal, c'était important de voir cet avenant. C'était un jalon. Je vois qu'il arrive aujourd'hui. Mais je trouve ça nécessaire de réexpliciter, je dirais, le concret qu'il y a par derrière. Le concret. Et là, j'en ai pas. Désolé. Le concret. Je vais vous répondre de manière très concrète. Je reste sur ma faim. Non, mais je vais vous répondre. Parce que je vois qu'il y a quand même des. Mais laissez-moi vous répondre. Oui, mais je termine. Ah ma bah, vous voulez pas qu'on vous réponde. Bien sûr que si. Sinon, je vous poserai pas toutes ces questions-là. Il y a une exposition financière très importante, et je ne suis pas rassuré de voir que. Vous ne souhaitez pas plus communiquer sur votre projet à cette étape. Monsieur Daville. Je reprends la parole, s'il te plaît, Fabien. Mais là, dans le cas présent, ce que vous allez signer, voilà ce qui est écrit dedans, je vous l'ai lu, je vous le répète, la convention porte sur la remise en état du bien, sa gestion transitoire et la poursuite des études de définition du projet. Donc, les études de définition du projet, ça va démarrer. Alors, vous attendrez, comme tout le monde, le résultat de cette étude. Je ne dis pas que je suis contre cet avenant. Mais vous verrez, en mais tout si cas... Mais si vous êtes contre, vous êtes contre, hein, n'hésitez pas. Hein. Mais non, je ne suis pas contre. Je vous demande un tout petit peu de précision sur l'engagement financier. C'est tout. Et aussi sur le projet qu'il y a par derrière. Vous avez eu les réponses que nous pouvons vous apporter aujourd'hui. Mais par contre, soyez rassurés, vous aurez très rapidement, de nos nouvelles sur les études, mais aussi sur la progression du projet, puisque vous savez que de toute manière, c'en est une de nos priorités. Et nous n'allons pas vous laisser sur la fin très longtemps. Le sujet reste le même, c'est que le temps des études est incompressible, tout comme le temps de construction derrière. Et par conséquent, aujourd'hui, nous en sommes encore qu'à une étape préliminaire pour les espaces verts, comme pour la pointe, sur deux périmètres d'études qui nous permettent de lancer des études et ensuite de pouvoir vous proposer des projets qui seront votés ensuite ici. Donc, pour l'instant, on n'en est qu'au début et je vous propose de mettre aux voix, sauf s'il y a d'autres questions, cette délibération. Oui, juste une petite question. On passe de délibération sur des périmètres d'études. À date, on n'a aucun élément financier sur le coût de ces études. On pourrait les avoir ? Alors, en l'occurrence, le coût des études, vous avez voté le budget et dedans, il y a la ligne études, je vous laisserai aller voir. Hein. Mais en l'occurrence, les poches sont définies. Et ensuite, l'attribution des poches d'études sont faites par les services techniques. Ce n'est pas moi qui décide. On a voté un montant sur une ligne études. On n'a pas les montants détaillés de chaque étude. Eh bien, moi non plus ce soir, mais je vous laisserai voir avec le. Vous pouvez venir me voir, je vous les donnerai. Je propose de la mettre aux voix. Qui est-ce qui est contre ? Qui est-ce qui s'abstient ? J'en déduis que tout le monde est d'accord et que c'est donc adopté. Je propose de passer à la délibération suivante et je laisse toujours la main à Eugène. Oui, alors là, il s'agit de l'attribution du marché de restauration collective.
Alors je rappelle un peu l'historique. Ces marchés de restauration collective ont été signés par Philippe Toutou, d'ailleurs, enfin par l'ancienne équipe, en date d'octobre 2018, avec une date de validité qui allait jusqu'à possibilité de renouvellement 3 ans. Donc on arrive au bout là, à partir du fin novembre 2021. Donc il a été lancé un appel d'offres concernant l'ensemble de cette prestation qui s'est décomposé en 2 lots. Un lot qui est restauration dans les écoles et l'accueil des loisirs. Bien sûr, le nombre de repas livrés par an est environ, bon, vous l'avez lu, c'est environ 161 200 enfants. Et un lot 2 de restauration dans les crèches. Ce lot 2 de restauration dans les crèches est environ de 7000 repas, 15 500 repas, 7000 repas pour les petits et 8 500 pour les grands. Avec, je dirais, une butée financière pour l'année. En ce qui concerne le lot 1, c'est-à-dire la partie purement pour les écoles, un minimum de 300 000 euros et un maximum de 600 000 euros. Et pour la partie du lot 2, de 30 000 euros, 60 000 euros. Excusez-moi, monsieur le maire, nous ne sommes pas sur la délibération numéro 9. Là. Nous sommes sur la délibération numéro 9, mais ce n'est pas grave, on peut prendre l'ordre du jour dans le sens que nous souhaitons. On y reviendra après à la suivante. Moi, j'ai vu l'avenant 2 au contrat de gestion des marchés d'approvisionnement. Excusez-moi, je suis en train de lire ce que j'ai sur mon ordinateur. Donc je vous présente ce que j'ai sous les yeux. L'appel d'offres a été lancé, conformément, je dirais, au principe qui avait été défini par les employés. Et le premier résultat n'a pas été concluant. Il a été déclaré sans suite. Et nous avons donc relancé cette opération en 2 septembre 2021. Donc nous avons relancé cette opération et là l'attribution a pu se faire à l'associé Covivio qui était précédemment déjà titulaire du lot 1. Et par contre ce n'est pas Covivio là où il était précédemment, je crois que c'est Le Havre, mais c'est celui de Covivio de Sartrouville. Le lot numéro 2 en ce qui concerne les repas pour les crèches a été décidé d'être confié à une société qui s'appelle Ensemble, qui sont les spécialistes de ce genre de choses, qui eux sont, leur siège social est à Vannes, mais en fait ils ont ce qu'il faut d'installer à Dreux et les possibilités d'alimenter. Donc voilà, ce que je vous propose simplement, c'est de voter que ce que vous avez sous les yeux, hein, de donner l'autorisation à M. le maire pour la signature de la notification des lots 2 du marché restauration et collectif pour les écoles, accueil, loisirs et crèches, et en ce qui concerne le lot 1, bien évidemment, sa poursuite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques sur cette délibération. Une prise de parole. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça change pour les Vernoliens? Et ma deuxième question, la presse s'est fait écho de rencontres avec des communes voisines sur le sujet d'une cuisine centrale. Est-ce qu'on peut évoquer rapidement ce sujet dans ce contexte-là? Naturellement. Pour le coup, pour ce qui est de la différence, vous savez, le marché, nous avons pris la décision d'augmenter le prix du marché, pardon, et par conséquent, qui dit un meilleur prix dit en principe meilleure qualité, mais j'irai la vérifier directement en y goûtant dès que possible et surtout en allant visiter la cuisine de Sartrouville afin d'assurer vis-à-vis du chef cuisinier que nous avons la qualité que nous souhaitons. J'étais avec Sophie Garec la semaine dernière à la cantine La Garenne où nous avons pu discuter avec la personne en charge à la fois du marché mais surtout au sein de notre administration de la qualité et du suivi des menus. Évidemment, ça fait partie des top priorités, mais vous avez raison, ce n'est qu'une étape transitoire. Moi, j'y vois plutôt une vraie amélioration, puisque avant, la cuisine était au Havre, on revient au local à Sartrouville. Mais ce n'est que transitoire, puisque l'objectif final, alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien pour l'instant, puisqu'il est porté, il ne pourra être porté qu'à plusieurs. Il ne pourra pas se faire sans l'accompagnement du département. C'est l'idée, le modèle, l'objectif d'une cuisine centrale. Nous avons aujourd'hui plusieurs communes qui souhaitent participer à une telle cuisine centrale.
Malheureusement, nous n'en sommes qu'au tout début, donc encore une fois, c'est compliqué de vous préciser vraiment plus spécifiquement quel est le projet. Aujourd'hui, nous en sommes à la visite de Cuisine Centrale. Plusieurs élus ont eu l'occasion d'en visiter. Moi, j'ai été à Trappes pour visiter la Cuisine Centrale de Trappes et déjà comprendre, voir les besoins, voir les coûts, voir ce que cela représente. On en est vraiment à une phase d'audit et d'évaluation. Donc, pour l'instant, c'est tôt. Il nous faudra du temps, encore une fois, malheureusement. Et c'est pour ça que, entre-temps, nous vous demandons de voter ce soir cette délibération pour changer les lots de restauration qui restent des lots, pour le coup, qui ne sont pas des cuisines centrales, mais par le biais de prestataires. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, je voudrais revenir sur... Il y a plusieurs éléments qui ont participé à une réunion avec d'autres villes aux alentours. Et certains, ils ont été mis de côté. J'étais dans le bureau de Paul Malray avec Sophie Carec et moi-même, quand on avait parlé justement de la cuisine. J'ai cru comprendre que j'étais écarté. Ensuite, qui Sophie, ça ? Non, mais alors les sous-entendus, moi, ça va. Je veux des précisions. Je vais donner des précisions. Sophie Carec m'a répondu non. J'aimerais bien que tu viennes avec moi quand j'y serai allé. Elle avait, au mois de septembre, elle m'avait dit qu'elle avait une réunion avec la cantine des écoles de Limay. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Il y en a une réunion entre plusieurs élus dans les villes alentours. Donc, il y avait effectivement... Olivier Melson, et puis il y avait Ida et Sophie. Donc, moi, j'étais pas au courant du tout. J'étais supposé. Mais à quel titre ? Attendez. Dans le bureau de Sophie, dans le bureau de Paul, Sophie m'a dit carrément si, je vais traiter de ça. On me montre des petits bisous comme ça à la con, hein, si on peut dire ça comme ça. Monsieur... Mais je dirais une chose. Moi, je les laisse faire. Parce que moi, je n'ai pas envie de travailler avec des hypocrites. Voilà. Alors, je vais prendre la parole si attends, je peux. Attends, juste que là, une seconde, je vais te laisser répondre. Je n'en vais pas ni à Olivier, ni à Ita, mais c'est à Sophie. Alors, je vois Monsieur pas Gabrielides, si vous souhaitez être aussi agressif, je m'en réjouis. Et je suis sûr que vous aurez un bon accueil dans l'opposition. En l'occurrence, pour je ma part... Je ne suis pas dans l'opposition pour l'instant. Ah bah pour l'autre coup, on se demanderait. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas de souci. D'ailleurs, j'ai remarqué, messieurs les maires... C'est depuis qu'il y a eu les groupes, on n'a ni bonjour de votre part, ni quoi que ce soit. J'ai salué l'ensemble d'entre vous, je n'ai pas de problème. Et encore une fois, on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois. Maintenant, si vous avez un problème avec la majorité, vous pouvez la quitter, M. Gabrielides. Mais en l'occurrence, avant qu'est-ce de laisser... que vous entendez avec le « vous serez bien accueilli dans l'opposition, Monsieur le maire » Pourquoi Vous venez de sortir cette phrase-là absolument. Hors de contexte, donc j'aimerais bien savoir ce que vous sous-entendiez par cette remarque. Vous souhaitiez les accueillir Répondez à ma question. Ah, mais si le groupe souhaite passer à la question... quand vous posez une question, on peut passer des heures comme ça. C'est plutôt eux qui ont envie de quitter, visiblement. Non, mais moi, je n'ai pas de problème. Une chose est sûre, je vais laisser pour répondre. Répondez à ma question, monsieur le maire, si vous n'avez pas de problème. Non, moi, je veux bien répondre aussi, mais on va répondre pas à cette techniquement, question, mais je voudrais juste préciser si quelque chose. Si vous voulez bien me laisser la parole. D'abord, je voudrais dire à Socrate, franchement, que je n'apprécie absolument pas ton attaque fourbe. Si tu as quelque chose à me dire en face, tu le fais. Je serai toujours là pour t'écouter. Tout à l'heure, je t'ai salué. Non, tu me laisses finir, s'il te plaît. OK ? Tout à l'heure, je t'ai salué, tu m'as salué, tu ne m'as rien dit. Les bisous que je te fais, ils sont toujours sincères. Maintenant, tu croiras ce que tu voudras, tu es dans le jugement. Moi, je suis dans le constat. D'accord ? Concernant les visites dont Monsieur le maire a parlé pour répondre à la question de Fabien Lemoine, je n'ai pas visité la fameuse cuisine centrale, parce que je ne pouvais pas la visiter. Voilà. Je n'ai pas visité de cuisine centrale. Oui, je suis allée à Chapet avec Ida et Olivier, invités à la dernière minute, quasiment du jour au lendemain. Nous étions très nombreux. Cette discussion n'a pas abouti à des conclusions, ni on n'a pas avancé... énormément sur le sujet, donc il n'y avait absolument pas besoin de te faire un retour. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas non plus juge
pour te donner un rôle, une place, c'est monsieur le maire qui décide de tes attributions. À ce moment-là, ne prends pas des initiatives inutiles. Je peux finir, s'il te plaît. Tu répondras après, quand j'aurai fini de parler, s'il te plaît. Parce que moi, je t'ai écouté. J'ai écouté monsieur Moreau, j'ai écouté Fabien. C'est pas à moi de décider ce à quoi tu dois participer ou pas. Moi, je t'ai juste répondu quand tu m'as dit on m'a dit que j'allais participer à la réflexion sur la cuisine centrale. Je t'ai dit OK, point final. Pardon, je prends du temps, mais franchement, l'attaque que tu viens de faire, elle est absolument injuste. Et je trouvais nécessaire de prendre le temps pour expliquer à tout le monde que c'est absolument dégoûtant la manière là dont tu Alors, avant agis. De te, oui, Socrate, juste... avant de te laisser répondre, oui. Une chose. Ce soir, tu viens d'acter quelque chose. Tu l'as acté toi-même. Tu viens d'acter que tu ne fais plus partie de la majorité. Tant pis pour nous, tant pis pour toi. Parce que dans la majorité, on peut se dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, parce qu'on peut se parler. On peut se parler, mais pas forcément en public sur ce type de sujet. Et je trouve par conséquent dommage, je le dis comme je le pense, très dommage. Mais oui. C'est ton choix. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand Sophie, elle a dit dans le bureau de Paul, comme moi, je ferai partie de son groupe, puisqu'elle voulait absolument que je fasse partie. Mais Socrate, encore une fois, on en est au niveau des études, au tout début. Mais attendez. Dans ces conditions-là, si elle n'avait pas le pouvoir, elle avait déjà à la fermer carrément et dire, voilà, je vais voir avec Fabien et je te dirai qu'est-ce qu'il en est. Il ne faut pas promettre des choses qu'on ne peut pas tenir. Je n'ai rien promis. Je n'ai pas le pouvoir de te promettre quoi que ce soit. C'est facile à le dire ce soir. C'est facile. Et toi, tu trouves que c'est facile d'étaler ton linge sale comme ça en public? Bravo, le courage. C'est toi la responsable, ce n'est pas moi. Non, Socrate. Je ne suis responsable d'absolument rien du tout. Honnêtement, nous n'étions même pas dans le bureau de Paul Malray. Nous étions à la mairie. Sur une discussion qui n'engageait absolument pas la cuisine centrale. Paul, est-ce oui ou non, elle était avec toi et moi? Bon, Socrate, je pense que la séquence est close. Non, mais Paul, il peut répondre. Bon, je pense que la séquence est close et je propose d'avancer. Je propose de mettre aux voix cette délibération. Nous aurons l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup d'hypocrites ici. Hein. Bien sûr, ben, je t'en prie. Oui, toi le premier. Monsieur le maire. Bonsoir. Une question je vous en prie. Juridique, du coup. La commission d'appel d'offres auquel on a participé il y a 15 jours pour l'attribution du marché public, hein, parce qu'on parle bien de la délibération numéro 9, pas la délibération numéro 3. Cette commission d'appel d'offres, nous sommes 5 élus représentant la majorité et moi-même pour l'opposition. Des 4 élus représentant la majorité, nous avions une absente, malheureusement, qui n'était pas remplacée, et nous avions présent... Eugène Dalle, en tant que président de la commission, M. Socrate Gabrielides et M. Georges-Edouard Lebacle. Donc en fait, cette commission aujourd'hui n'est pas représentée par des élus de la majorité, si on comprend ce qui vient de se passer. Il va falloir que très rapidement, nous revoyons toutes les commissions. Je suis à votre disposition, mais juste je précise que vous constaterez par vous-même, je vous prends au mot, qu'en l'occurrence, même l'opposition a donc voté cette délibération, enfin en tout cas approuvé ces marchés en commission. Oui, je ne suis pas contraire, mais il y a quand même pour moi une problématique juridique par rapport à la représentativité proportionnelle de ces commissions. Absolument. Et de toutes les commissions. Nous aurons l'occasion d'en reparler au prochain conseil. Mais pour l'instant, je vous propose d'accorder notre attention à cette délibération. Et par conséquent, je vous propose de la mettre aux voix. Qui est-ce qui vote contre? On vote bien la délibération numéro 9. Absolument, la numéro 9. Celle qui est affichée. Qu'est-ce qui s'abstient? J'en déduis qu'elle est adoptée. Je propose de revenir à la délibération que vous mentionniez tout à l'heure, à savoir la délibération relative à l'approbation d'un avenant numéro 2 de transfert du contrat de gestion des marchés d'approvisionnement communaux. Et je laisse la parole à Eugène Dalle. Oui. Alors là, il s'agit d'une affaire importante, il s'agit du marché. Du contrat que nous avons au marché, j'espère qu'on parle bien de celui-là, parce que moi, il n'est pas dans l'ordre. Sur mon ordi, je n'ai pas cet ordre-là. Enfin, donc, il s'agit du contrat qui nous lie avec le gestionnaire du marché. Et en fait, c'est simplement un réaménagement de l'organisation de Géraud.
En fait, avant, on avait comme interlocuteur direct Géraud associé, qui faisait partie de Auguste Géraud. Et là, maintenant, les fils de Mme Géraud, qui ont aussi une partie importante à l'intérieur de Auguste Géraud, vient d'absorber Géraud associé. Le tout pour faire ce qu'on appelle les fils de Mme Géraud SAS. Donc, c'est simplement une modification simple de nos correspondants, enfin de nos correspondants, de la société avec qui nous avons un contrat et qui ne change rien du tout, je dirais, au contrat existant. L'objectif qu'ils nous ont affirmé, c'est d'abord, c'est pour augmenter la qualité de leurs prestations et deuxièmement, augmenter les moyens qu'ils vont mettre en place. C'est vrai qu'il va y avoir des moyens qui vont changer. Je vous en parlerai après la réunion. Nous avons une réunion demain avec eux. Dès qu'ils auront confirmé un peu ce qu'ils m'ont dit téléphoniquement, j'espère pouvoir vous en donner un peu plus d'informations. À ce sujet, nous allons revenir à la création d'une commission du marché dans laquelle il y aura un représentant, je dirais, de chaque groupe, de telle façon que nous puissions avoir au moins une réunion, non pas mensuelle, mais au moins trimestrielle, avec l'ensemble des acteurs du marché. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous en saurez un peu plus dès que je les aurai rencontrés demain avec mon amie Catherine Charvel. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui, j'ai juste une intervention. Oui, je trouve ça bien qu'on redynamise le lien avec ce prestataire et qu'on travaille sur la dynamique du marché. Je suis favorable. Oui, je te rappelle que tu as dû être contacté pour faire partie de la commission. Je suis désolé, ça sera le mercredi entre 2h et 2h30. On ne peut pas faire autrement hein, parce que les commerçants qui sont sur le marché ne sont disponibles que ces jours-là. Non, mais voilà. Mais moi, j'encourage à ce que ce marché devienne très dynamique. Donc. Ok, merci. Je vous propose de la mettre aux voix. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer aux délibérations suivantes. Et je laisse la parole à Paul Malret. Il faut garder le doigt appuyé, par contre, à chaque fois. Difficile de tourner les pages et de garder le doigt. Bon, c'est pas grave, on va essayer quand même. Donc, la première délibération concerne une décision modificative dont je vais vous expliquer l'essentiel des éléments. Ce que vous voyez dans les tableaux qui, dans les deux pages qui suivent, c'est que à la suite de l'annulation du protocole de 2016 qui est intervenu en 2016 suite au contentieux qui est intervenu avec un certain nombre de communes dont la nôtre. La préfecture est la DDFIP, des impôts du département, ont défini une procédure de régularisation des assets de neutralisation fiscale liée au protocole de 2016. Pour une raison technique qu'on ne s'explique pas complètement, ils nous ont demandé de passer et contrepasser la somme de 2 327 060 €, somme qui nous a été versée en annulation de ces créances et qu'il a fallu reverser. Donc ça, c'est une simple mesure technique, comptable, dont je ne pourrais pas vous apporter la justification, mais qui n'a strictement aucun impact sur la vie de la commune. Ce qu'il faut retenir de cette décision modificative, c'est sur la page suivante, les désaffectations et les affectations de propositions nouvelles. Dans les désaffectations de propositions nouvelles, il y a ce qui avait été budgété au titre du projet 5-7 Grande Rue à hauteur de 100 000 € et qui est devenu sans objet puisque sur la somme qui avait été planifiée au départ, 100 000 € n'ont pas été dépensés. De la même façon, il y a ce qui est occupé actuellement par le restaurant Canaille, vient d'ouvrir, une somme de réhabilitation concernant la réhabilitation de l'annexe
de la mairie, qui était initialement consacré à l'état civil, pour 40 000 euros. Donc là, on a eu donc, 40 000 euros qui n'ont pas été dépensés et qui étaient prévus. Et enfin, on avait prévu un certain nombre de projets numériques, notamment la mise en place d'un Fab Lab, mais qui n'ont pas été réalisés en 2021 et qui sera probablement reprogrammé dans le développement futur de la Maison des Opportunités. Mais pour l'instant, les 40 000 euros qui étaient prévus n'ont pas lieu d'être maintenus. Donc, ils sont désaffectés. De l'autre côté, on a de nouvelles affectations. On a des travaux de rénovation, un supplément de travaux de rénovation à l'école Lagarenne pour 50 000 euros. On en a parlé en CCMP, 230 000 euros qui ont été prévus pour refaire le préau de chemin vert, la reprise de sol et la végétalisation du toit. On a enfin 40 000 euros de renouvellement du matériel informatique qui sont pris d'ailleurs du fait de l'annulation des licences dont j'ai précédemment parlé. Et on a également le provisionnement d'une somme de 244 407 euros concernant les conclusions qui ont été tirées par le rapport de la CLECT à hauteur de 162 500 euros pour des ouvrages d'art et murs de soutènement. C'est-à-dire que ça correspond aux deux ponts qui enjambent la voie ferrée. Les fonds rocheux, carrières et cavités pour 69 627 euros. La défense extérieure contre incendie, 7 260 euros. La gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations à hauteur de 7 512 euros. On a eu un ajustement négatif, c'est-à-dire qu'on a moins à payer sur une réévaluation du linéaire de voirie à hauteur de 2 491 euros. Ce qui, au total, nous conduit à provisionner 244 407 euros que nous faisons figurer dans cette décision modificative. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des demandes de prise de parole. Concernant donc le risque éboulement front rocheux, on en avait discuté au précédent conseil municipal. Vous aviez eu finalement la confirmation qu'il n'y avait pas ce risque-là à la ville de Verneuil. Alors vous allez nous expliquer, mais moi j'avais retenu qu'on n'était pas exposé à ce risque-là et que seules les communes de la GPSCO qui étaient exposées à ces risques devaient payer. Mais je vais simplement... Oui. Je vais juste qu'on explique un peu, que tout le monde comprenne, mais en gros, ce qu'on devait payer, on nous demande de payer pour un risque qu'on n'a pas. Moi, c'est ce que j'ai retenu de la dernière fois. En commission, vous avez dit que vous avez lancé les débats, donc vous avez interrogé la GPSCO sur ce sujet. Et donc, je voulais avoir un retour. Hein. Vous nous avez fait un premier retour en commission, mais tout n'était pas décidé. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu ce qu'il en est ? Je vais laisser Olivier Melsens, qui a été à la dernière réunion de GPSCO, vous en parler. Alors, on n'a pas réabordé à cette dernière réunion le sujet des fronts rocheux. Ça a été acté. Nous avons fait les vérifications effectivement d'usage et nous avons pris la peine d'écrire au président de la GPSCO, Raphaël Cognier. Aujourd'hui, pour être très précis, sur les fronts rocheux,
nous avions, et c'est ce que nous, j'avais dit d'ailleurs au dernier conseil municipal, un désaccord de principe puisque nous avions constaté qu'il était question de fronts rocheux qui semblaient correspondre, en fait, vous savez, à l'ancienne carrière qui était rue du Hameau. Et du coup, nous avions fait des lettres de protestation pour dire qu'il y avait un problème. Et il se trouve que, par conséquent, nous considérions que nous n'étions pas du tout, que nous n'avions rien à payer. Nous avons demandé des nouvelles études à GPSEO et notamment des nouvelles lectures de cartes. Il se trouve qu'ils ont trouvé en effet des fronts rocheux sur la ville, mais pas à cet endroit-là. Par conséquent, vous l'avez sans doute vu au dernier conseil communautaire, fort de cette actualité qu'on avait eue le matin même, je me suis permis, et je sais que les élus de la ville ont suivi, de m'abstenir lorsque nous avons voté les AC définitives, afin de pouvoir rediscuter du sujet sur la durée, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec GPSEO, puisque nous n'avions pas connaissance, nous pensions que c'était une erreur de bonne foi. Nous avons constaté sur les cartes qu'en effet, il y avait un autre endroit cartographié, mais qui, à notre connaissance, nous semble étonnant. Mais bon, on n'est pas géographe, on n'est pas géologue. Par conséquent, nous avons demandé de pouvoir retravailler le sujet, et c'est ce qui est en train d'être fait. Donc, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour vous répondre, mais le cas échéant, nous aurons peut-être des actualités sur le sujet. Et surtout, pour l'instant, de manière traditionnelle, puisque la voie de Verneuil n'est qu'une voie sur les 73, les AC ayant été votés, il est normal de pouvoir provisionner les sommes en attendant de pouvoir voir ensuite ce qu'il adviendra. Ok, merci pour ces clarifications. J'aimerais bien voir où est située donc cette deuxième zone qu'on ne connaît pas, en fait. Alors, ma deuxième question, c'est que, justement, sur ce risque, finalement, des fronts et éboulements rocheux, le choix était fait de répartir la somme à payer uniquement sur les communes qui sont exposées à ce risque-là. Finalement, on sait que la commune de Triel est, elle, le plus exposée, et elle est très, très exposée du fait de la colline de Lotil. Hein, donc, c'est normal qu'il y ait un partage qui puisse se faire en termes de solidarité. En revanche, à l'arrivée, Verneuil paye beaucoup plus, enfin, en tout cas 30% de plus. Moi, je trouve que c'est pas rien. Et finalement, si un principe de solidarité doit s'appliquer, et franchement, je le partage et j'y souscris totalement, finalement, et je pense que je pose la question à M. Melsens, pourquoi ne pas avoir finalement demandé à ce que ce soit réparti sur toute la communauté et pas simplement sur les 30 attendez, communes qui étaient exposées. Je laisserai M. Melsens vous répondre dans la foulée, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche, la GPSEO et la CLECT. Excusez-moi, mais on décide de règles. On se met d'accord sur des règles. Et pour tout, hein, pas que pour ce sujet-là, mais on se met d'accord d'abord sur des règles, ensuite sur des documents. Typiquement, moi, je sais que j'ai fait des réunions fort nombreuses sur d'autres sujets, les lampadaires, les voiries, etc. On se met d'accord sur des documents, on se met d'accord sur des constats. Et ensuite, une fois qu'on a la règle et les documents qui s'appliquent, eh bien, de manière immédiate et logique, finalement, on va appliquer la règle et par conséquent, eh bien, il n'y a pas de discussion dans la foulée. Typiquement, si on prend ce cas-là, la règle était la suivante. Toutes les communes qui ont des fronts rocheux sont contributrices. On s'est mis d'accord sur des documents. Et pour le coup, sur les documents, c'est pas faute de... Voilà, c'est des documents officiels. On se met d'accord sur des documents. Et une fois qu'on est d'accord sur les documents, eh bien, les communes qui ont des fronts rocheux dans les documents doivent contribuer au prorata du nombre d'habitants. À partir du moment où des fronts rocheux étaient localisés sur Verneuil, c'était normal qu'on contribue. Le problème, c'est que sur les cartes qui avaient été sélectionnées, elles n'étaient pas claires, et notamment, on avait, nous, l'impression que c'était la zone du Hameau qui était, en l'occurrence, ciblée, et qui, par conséquent, on devait payer à cause de cette zone du Hameau, et du coup, on n'était pas d'accord, très clairement, puisque pour nous, elle était emblayée, et par conséquent, on ne paye pas. Il se trouve qu'on a discuté, qu'on est toujours en discussion avec la CU, puisque la zone, en fait, qui est concernée n'est pas celle-ci, c'est celle de la rue Font-Noël-Gilles, pour être très précis, qui est donc en lisière avec Vernouillet, et c'est tout cet espace-là qui est considéré par la CU comme étant, enfin par les documents retenus par la CU, comme étant des cavités. Aujourd'hui, très honnêtement, nous sommes circonspects, parce que nous sommes surpris, nous n'avions pas connaissance, historiquement en tout cas, de fronts rocheux à cet endroit-là. Il se trouve que quand on regarde les cartes des géologues, bah oui, donc on est pour l'instant à une étape de discussion.
On a fait le choix de s'abstenir. On a demandé des nouveaux rendez-vous avec les experts, parce qu'on n'est pas experts nous-mêmes. Et pour le coup, je pense que Olivier Melsan sera le premier à pouvoir revenir vers vous quand on en saura plus côté expert. Pour l'instant, par prudence, puisqu'on joue le jeu, il est normal d'abord d'attendre d'en savoir plus. Et par sécurité, par bonne gestion, de provisionner les sommes. Mais encore une fois, cette logique que je décris pour les fonds rocheux, c'est la même qui a pu être retenue. J'ai fait des très longues réunions à la CU avec différents sujets. Pour les ponts, par exemple, il y a eu la même chose. Bon, on n'est pas concerné à Verneuil, quoique on a les ouvrages d'art. Il y a la même chose sur les lampadaires, il y a la même chose sur les voiries, il y a la même chose sur beaucoup de choses. C'est toujours la même chose. On sélectionne une règle. Une fois qu'on est d'accord sur la règle, on sélectionne des documents. Puis ensuite, on voit. J'admets ne pas connaître l'état par cœur géologique de l'ensemble de la commune. Je ne savais pas non plus que nous avions des fonds rocheux. Il se trouve que je pensais qu'ils étaient rue du Hameau et j'étais donc pas d'accord eut égard au remblaiement des cavités. Maintenant, le fait que la CU nous ait découvert les cartes pour nous montrer qu'ils étaient ailleurs fait que nous sommes obligés pour l'instant de provisionner, ensuite d'échanger et ensuite on verra. Bon, moi je ne me situe pas sur ce niveau de complexité. Ce que je peux constater, c'est que c'est complexe et que c'est trop complexe. Hein, c'est ça mon constat, que juste d'un point de vue du bon sens, parce que moi, de ma petite lorgnette de l'élu de l'opposition, je n'ai pas toutes ces discussions. Et probablement que quand on est complètement dedans, finalement, bah peut-être qu'on perd un peu la boussole du tout. Ce n'est pas forcément, c'est pas un reproche que je veux dire, hein, mais forcément, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. J'ai peut-être cette chance, peut-être pour le coup, là, de voir les choses d'un peu plus loin. Et moi, ça m'est apparu immédiatement que je n'avais pas connaissance de risque de fraude rocheuse et d'éboulement à Verneuil. Donc, j'ai alors, tiqué effectivement là-dessus. Non, attention, il y a une différence. Il faut être très précis vis-à-vis des Verneuiliens. Vous avez raison, de la même manière. Mais ce n'est pas les risques d'éboulement, en fait. C'est plus compliqué que ça. Il ne faut pas comparer Triel, Chanteloup ou Verneuil. Là, je suis d'accord, si vous dites ça, évidemment, tout de suite, on se dit, évidemment, on se fait avoir. Ce n'est pas exactement ça. Les fronts rocheux ne sont pas que des endroits qui s'éboulent. C'est un peu plus compliqué. J'entends très bien ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, ceux qui ont des vrais risques, c'est Triel, et de façon très, très importante. Hein. Et à la fin, on paye moins cher qu'eux, alors que finalement, le risque est beaucoup moins grand. C'est ça que, moi, on paye beaucoup plus qu'eux, et finalement, le risque est moins important. Sur cet aspect-là, les règles, la méthodologie de calcul ne nous est vraiment pas favorable. Comme elle n'est pas favorable sur d'autres aspects, sur d'autres communes, je vous l'accorde. Ok, pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que, juste d'un point de vue du bon sens, quand on connaît l'exposition qu'il y a sur Triel, j'aurais trouvé ça plus juste, hein, de faire une répartition sur toute la GPSTO au nom d'un principe de solidarité. Voilà. Ça, c'est mon opinion. Voilà. Entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ? Oui, moi, c'est plus sur le budget d'investissement. Il y a une décision modificative concernant le 21 rue aux Cannes, où il y avait 200 000 de provisionnés. Et on désaffecte 170 000 et on nous a dit que c'était pour une étude. Pour moi, c'était là où vous vouliez faire la maison des opportunités. Absolument. Qu'est-ce que ça devient ? Alors en fait, il se trouve que nous sommes en périmètre patrimoine historique et par conséquent, nous devons freiner nos ardeurs de jeunes élus qui espéraient pouvoir monter l'opération rapidement. Et en l'occurrence, nous devons l'étaler pour des raisons structurelles, d'architecture et puis d'études préalables qui sont requises. Donc on continue, ça aura lieu, mais on l'étale dans le temps. C'est pour ça que dans un premier temps, sur ce premier budget, on désaffecte pour réaffecter sur les prochaines années. Merci. Question de passer au vote. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Et cela nous permet de passer aux produits irrécouvrables. Comme chaque année, on vous présente l'ensemble des créances qui ont été passées en produits irrécouvrables par la trésorerie principale. Il faut savoir que la trésorerie principale, pour certaines de créances, elles sont vieilles de plus de 11 ans. La trésorerie principale a essayé de les recouvrer par tous les moyens, a lancé des procédures de poursuite, mais est arrivée au terme de ces procédures de poursuite et constate et nous fait constater que pour les créances qui sont listées, il n'y a plus de moyens de les recouvrer. Donc, d'un commun accord, pour libérer le comptable de son obligation de recouvrement, il faut qu'on vote admission en non-valeur. Le montant de l'ensemble de ces créances s'élève à 9 029 euros pour des
dizaines et des dizaines, j'ai pas compté le nombre, de créances. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Je propose de mettre au vote. Qui est-ce qui s'oppose ? S'abstient ? C'est adopté. Je propose de passer à la régularisation des versements des contributions du CIRTEC. Alors, là, il s'agit simplement d'un dispositif comptable, c'est-à-dire que normalement, on devrait verser ce que nous devons au CIRTEC, c'est-à-dire 203 000 euros, ce qui n'est pas rien, à la CU, charge à elle de reverser cette somme au CIRTEC. À défaut de convention signée avec la CU, pour que nous puissions la payer directement, nous sommes conduits à verser directement la somme au CIRTEC. Et c'est pour cette raison que nous faisons une délibération que nous vous proposons. Le sujet est assez complexe. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Est-ce qu'il serait possible de préciser pour les Vernoliens ce qu'est le CIRTEC ? Absolument. Le CIRTEC est un syndicat spécialisé, enfin, qui est en charge de l'enfouissement des réseaux électriques en particulier. C'est lui qui a pu prendre en charge certaines opérations, notamment à Verneuil, par le passé. De mémoire, c'était l'avenue du Château, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et puis, plus globalement, qui s'occupe sur l'ensemble du secteur où il a compétence, à savoir un secteur qui recoupe GPSEO, mais aussi une partie du Val d'Oise, l'ensemble de ces sujets. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je propose de la mettre aux voix. Qui est-ce qui est contre ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer au sujet suivant, qui était l'acompte sur les subventions 2022. Là encore, comme chaque année, on verse une partie de la subvention qu'on escompte consacrée au CCAS pour commencer l'année et payer ses premières dépenses avant que le budget 2022 du CCAS ne soit validé. Comme chaque année, c'est à hauteur de 35% des crédits qui sont prévus, ouverts au budget de l'exercice 2021. Et ça représente 112 000 euros d'autorisation de dépenses avant le vote du budget du CCAS. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? J'en déduis qu'on peut passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté et que nous pouvons passer à l'ouverture de crédits d'investissement sur le budget communal. De la même façon, pour le budget communal et en attendant le vote du budget primitif 2022, on vous propose d'autoriser l'ouverture de crédits pour un montant maximum de 53 000 euros sur le chapitre 20 qui concerne les immobilisations incorporelles, 343 000 euros sur le chapitre 21 qui concerne les immobilisations corporelles et 133 000 euros sur l'opération 9914 concernant les écoles maternelles. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Je vous propose de mettre aux voix. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a déjà une idée de à quoi ça va servir ? En fait, on ouvre une poche pour les premières dépenses de l'année 2022 qui ne pourraient pas être validées s'il n'y avait pas cette ouverture de budget. Donc, je ne saurais pas vous répondre par avance à quoi ça va être consacré, puisque ce sera au début de l'année 2022. Et je ne sais c'est pas. Pour être très précis, c'est toutes les menues dépenses. Donc, c'est s'il y a une urgence, refaire, je ne sais pas, n'importe quoi, un bout de toiture, un bout de. S'il y a quelque chose de cassé pour être capable d'engager des fonds. Ok, merci. Je propose de mettre aux voix. Qui est-ce qui s'abstient, s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose de passer à des sujets particulièrement intéressant, à savoir d'abord un projet de délibération bourse au permis de conduire. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Donc l'idée est de vous présenter deux délibérations concernant notre jeunesse vernolienne, afin de les aider sur deux sujets, le passage du permis de conduire, mais également le BAFA. Que je vais vous résumer. Donc, je vous propose de vous lire en partie les délibérations dans le cadre de la création du dispositif de bourse au permis de conduire. Donc, le permis de conduire constitue un atout incontestable pour l'emploi ou la formation des jeunes. Son obtention
contribuant en outre à la lutte contre l'insécurité routière qui constitue la première cause de mortalité des jeunes de moins de 25 ans, avec la conduite sans permis. Néanmoins, pour pouvoir passer le permis de conduire, cela nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de toutes les familles. Pour favoriser l'accès des jeunes au permis de conduire, la municipalité de Verneuil décide de mettre en place le dispositif bourse au permis de conduire en contrepartie d'un engagement citoyen et donc bénévole de 30 heures au sein d'une association du territoire ou de la collectivité. Il est précisé que cette bourse au permis de conduire ne concerne que le permis B, code plus conduite. Alors quels sont les objectifs du dispositif ? Favoriser l'autonomie d'accès à l'emploi et à la formation des jeunes âgés de 17 à 25 ans, vous rappelant que depuis la réforme, depuis le 22 juillet 2019, on est en possibilité de passer son permis de conduire dès lors qu'on est âgé de 17 ans. Il s'agit aussi de lutter contre le délit de conduite sans permis et l'insécurité routière et favoriser l'engagement bénévole, l'engagement citoyen des jeunes et en faire profiter le territoire. Donc la participation de la ville va représenter donc la somme de 500 euros par dossier qui sera présenté donc au sein de la municipalité. Ce sera limité à hauteur pour cette année, pour cet exercice, vu que c'est un programme donc en lancement, aux 10 premiers dossiers qui nous seront présentés. Voilà. Donc les bénéficiaires, donc les jeunes âgés de 17 à 25 ans qui résident à Verneuil depuis au moins d'un an, un certain nombre de critères de nationalité française, au titre de séjour en cours, et qui répondent aux critères financiers. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir aider tous les jeunes. Donc le but, c'est d'apporter une notion aussi de solidarité vis-à-vis des familles qui aujourd'hui ont un peu plus la difficulté pour permettre à leurs enfants de passer le permis de conduire. Donc l'objectif prioritaire est l'insertion professionnelle. En contrepartie, ces jeunes vont s'engager à réaliser des heures de bénévolat. Et bien évidemment, ils s'engagent à s'inscrire aux auto-écoles. Alors nous sommes allés visiter les deux auto-écoles. J'en ai visité une. Nous avons présenté notre projet. Et donc, bien entendu, les dossiers seront étudiés au titre de jeunes qui se sont inscrits au sein de ces deux seules auto-écoles. Le but étant, bien entendu, de faire vivre nos propres commerces. Donc les critères d'attribution donc financiers, alors portant sur les ressources personnelles du jeune, et plus précisément la plupart du temps, vu qu'ils restent fiscalement à charge de leurs parents, la situation familiale et les revenus de la famille. En l'occurrence, si un jeune vit chez ses parents, donc soit être non imposable, soit rentrer dans le cadre de la première tranche de 11%, vous rappelant qu'il existe aujourd'hui 4 tranches, 11%. 33, 41 et 45%. Donc si les parents sont non imposables, ou si le jeune est non imposable et qu'il est autonome financièrement, ou alors si les parents rentrent dans le cadre de la première tranche fiscale, il est en mesure de présenter un dossier pour pouvoir bénéficier de cette bourse au permis de conduire. Donc l'insertion, prenant le deuxième critère d'attribution, l'insertion, prenant en considération le parcours du postulant, sa motivation réelle, l'appréciation de sa situation sociale, ainsi que la nécessité d'obtention du permis de conduire pour son projet professionnel ou personnel. L'engagement citoyen, donc 30 heures, donc qui doivent être réparties et qui feront l'objet bien évidemment d'un suivi tout particulier, et impossibilité de pouvoir bénéficier d'autres aides pour le même objet du fait de position statutaire, chômeur inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois, apprenti, etc. Donc les modalités, les jeunes qui souhaitent en bénéficier donc, doivent présenter un dossier au sein de la mairie. Ils remplissent les modalités qu'on leur propose et derrière, ils vont être reçus donc, par une équipe constituée de 4 personnes. Et donc ces 4 personnes, donc, dont lequel je ferai partie pour savoir si le dossier est éligible. Voilà ce que je souhaite vous présenter sur la bourse au permis de conduire. Avez-vous des questions ? Est-ce que l'auto-école sera verneuilienne par définition ? Oui, totalement. Je viens de le signaler. Exclusivement les deux auto-écoles de Verneuil. Alors, je tiens à préciser que le permis de conduire attire aussi d'autres services. Par exemple, j'ai eu en tête la publicité d'une banque qui propose également d'offrir une certaine somme aux jeunes qui ouvrent un compte dans leur agence. Voilà. Donc c'est un sujet qui motive notre jeunesse. Aujourd'hui, sans permis, on ne fait plus rien. Et puis, je pense que sur un CV, pouvoir être mobile, c'est un plus. Maintenant, ça coûte cher. Le critère d'attribution, pourquoi il a été fixé à 500 euros, c'est parce que, bon an, mal an,
On s'aperçoit que le passage d'un permis de conduire coûte encore très cher. On est plus aux alentours d'une moyenne de 2000 euros. Donc si on peut commencer à aider un jeune et le motiver à s'y inscrire, pourquoi pas. Ouais, je vais avoir juste une explication de vote. Je vais m'abstenir parce que j'ai lu la délibération et puis l'annexe qui nous était présentée. Et j'ai trouvé que c'était une sacrée usine à gaz pour arriver jusqu'à cette fameuse bourse, quoi. C'est le début. Qui est-ce qui... Attendez, je n'ai pas eu le temps de poser toutes les questions. Ma deuxième, c'est qui avance l'argent ? En gros, en termes de financement, je vois écrit « Le versement de la bourse s'effectuera directement auprès de l'auto-école après le premier passage de l'épreuve de conduite dans les 2 ans maximum suivant la date de notification de la bourse. » Est-ce que vous pouvez préciser ? Ça veut dire que c'est le jeune qui avance, c'est l'auto-école qui avance et, grosso modo, où... Il y a 2 ans pour être payé pour l'auto-école. Il va y avoir un contrat qui va être passé avec l'auto-école. Encore une fois, nous sommes allés les voir. Et lorsqu'il y aura la possibilité de pouvoir prendre à notre charge les 500 euros correspondants, que le dossier aura été accepté, donc où le jeune pourra l'avancer, ou la municipalité, à partir du moment où on rentre dans les critères, réglera directement l'auto-école. Parce qu'un permis de conduire, ça peut se passer très rapidement, mais ça peut se passer aussi sur une durée un peu plus longue. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté. Et je propose de passer à la deuxième création de la soirée, à savoir le projet de délibération relatif aux bourses au passage du BAFA. Bon, dans le même type, donc je rappelle, BAFA, brevet d'aptitude à la formation des animateurs. Donc ça s'adresse bien entendu encore une fois aux jeunes de 18 à 25 ans cette fois-ci. Ça constitue aujourd'hui un atout incontestable pour l'accès à l'emploi, à la formation, à l'autonomie financière des jeunes. Et dans ce cadre-là, la ville de Verneuil souhaite proposer un dispositif de bourde pour l'obtention du BAFA. Alors, pour beaucoup de jeunes, le BAFA est un brevet qui leur permet de travailler ponctuellement pendant les vacances scolaires, mais pour d'autres, il s'agit d'une carte d'entrée dans la vie active. Le BAFA est couramment demandé par les employeurs pour occuper des postes d'animateur permanents avant l'obtention des diplômes professionnels habituels. Le BAFA est un brevet qui permet d'encadrer des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs. Donc les objectifs de dispositif, accompagner financièrement les jeunes vernoliens dans une formation dont le coût peut être encore une fois un facteur limitant. La moyenne d'un BAFA, selon qu'il se passe, je dirais, à domicile ou qu'il est délocalisé, avoisine entre 800 et 1000 euros. Donc la proposition d'accompagnement de la ville de Verneuil se situe toujours dans le cadre d'une contrepartie d'un engagement bénévole et citoyen, mais limité désormais dans la mesure où l'engagement financier est moindre, vu que la ville se propose d'accompagner à hauteur de 200 euros sur chaque dossier qui lui sera présenté, toujours dans la même catégorie des critères financiers que j'ai présentés tout à l'heure, ce qui représente donc, par contre, ce sera limité aux 12 premiers dossiers au lieu de 10, vu le montant qui est engagé. Donc, les bénéficiaires, toujours les jeunes, 18-25, qui résident toujours à Verneuil, qui répondent aux critères financiers, enfin, ce sont les mêmes conditions. Voilà, si ce n'est que, au lieu d'être versé à une auto-école, ça sera versé directement aux jeunes. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Ça sera la même position de vote face à la complexité du dispositif. Ah ouais, oui. Alors, j'ai entendu juste aussi préciser, concernant le BAFA, c'est cumulable avec d'autres BAFA qui sont proposés. Il faut savoir que au niveau de la CAF, d'autres subventions, hein, au niveau de la CAF, vous pouvez aussi bénéficier d'un BAFA qui est de 91,47 euros, voilà, comme le font actuellement. Donc ça, c'est cumulable. Hein. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je propose de passer au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? S'oppose ? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer à 2 délibérations relatives aux écoles et laisser la main à Sophie Garec sur ces 2 délibérations. Rebonsoir. Rebonsoir dans la joie et la bonne humeur, espérons-le. Si vous avez des remarques personnelles, merci de me les adresser en dehors.
Pour toute autre question, bien évidemment, je répondrai sans problème. Donc, cette délibération concerne la participation de la ville aux frais de fonctionnement de l'école Notre-Dame sur l'année scolaire 2020-2021, à savoir sur l'année passée donc, pour les élèves des classes élémentaires. Je rappelle que l'élémentaire, ça va du CP au CM2. Je vais vous lire l'exposé parce qu'il est très complet. Pour l'élève scolarisé en classe élémentaire dans une école privée située dans sa commune de résidence, les communes ont l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association. C'est la loi du 31 décembre 1959. J'insiste sur ce caractère obligatoire. Donc cette obligation répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. Il est proposé pour l'année scolaire 2020-2021 de verser une subvention forfaitaire par enfant vernolien scolarisé en classe élémentaire à l'école Notre-Dame, correspondant au montant des frais d'écodage voté par l'Union des maires des Yvelines, vous la connaissez peut-être mieux sous le nom de UMY, U-M-Y donc, pour les classes élémentaires. Ce qui fait en fait un total de 488 € par enfant, donc vernolien. Ce forfait représente le coût moyen d'un élève, calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques du département. Les effectifs de l'école Notre-Dame en classe élémentaire pour l'année donc 2020-2021 étaient de 298 élèves, vernoliens je reprécise. Soit une participation aux frais de fonctionnement pour les classes élémentaires de l'école Notre-Dame pour l'année scolaire 2020-2021 de 145 424 €. En fait, on fait la multiplication de 488 fois 298, le nombre d'élèves. La proposition. Vu le code des collectivités territoriales, vu la loi du 31-12-1959 relative à la participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles sous contrat d'association, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de fixer le montant de la participation communale à l'école Notre-Dame pour l'année scolaire 2020-2021 à 488 € par élève vernolien des classes élémentaires, soit un total de 145 424 € pour 298 élèves. Et rappelle que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2021, nature 6558, fonction 212. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. C'était très clair. De toute manière, il s'agit d'une délibération sur laquelle chacun aura sa liberté de vote, évidemment, mais qui est une obligation légale de toutes les collectivités publiques de contribuer aux frais de fonctionnement des écoles privées lorsqu'il y a des habitants de leur commune qui y sont, et d'ailleurs d'autres communes contribuent de la même manière aux frais d'écolage pour l'école Notre-Dame, ce qui est naturel. Pour cette délibération, s'il n'y a pas de questions de remarque, je propose de la mettre au vote. Qui est-ce qui s'abstient ? Une précision, je ne prendrai pas part au vote. Entendu. Alors, qui est-ce qui ne prend pas part au vote ? Qui est-ce qui s'abstient ? Qui est-ce qui s'oppose ? J'en déduis que c'est adopté et qu'on peut passer à la délibération suivante. Très bien. Donc, la délibération suivante est sensiblement la même. À l'exception près que donc ça concerne les écoles maternelles et que l'obligation de participation aux frais de fonctionnement n'est effective que depuis 2 ans. Donc en ce qui concerne les classes maternelles, la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance abaisse l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans et étend désormais la participation des communes aux frais de fonctionnement pour les écoles privées sous contrat d'association avec l'État. Donc on rappelle à nouveau le caractère obligatoire. De la même façon que tout à l'heure, donc, ce montant a été décidé en concertation donc, avec les maires du département des Yvelines, donc par l'UMI. Donc le montant a été décidé à 973 € par enfant de maternelle vernolien à l'école Notre-Dame. Et en 2020-2021, ils étaient au nombre de 109. Soit une participation aux frais de fonctionnement pour les classes maternelles de l'école Notre-Dame pour l'année scolaire 2020-2021 de 106 057 €.
pareil, il suffit de faire la multiplication comme tout à l'heure. On multiplie le tarif par enfant fois le nombre d'enfants. Donc la proposition est sensiblement la même que celle de tout à l'heure. Vu le code des collectivités territoriales, vu la loi du 31-12-1959 relative à la participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles sous contrat d'association, vu la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance qui abaisse l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans et étend la participation des communes aux frais de fonctionnement pour les écoles privées sous contrat d'association avec l'État, le conseil municipal, après en avoir délibéré, bien sûr, décide de fixer le montant de la participation communale à l'école Notre-Dame, donc pour l'année passée, pour les 109 élèves vernoliens des classes maternelles, à 106 057 euros. Et comme pour tout à l'heure, rappelle que les crédits nécessaires ont déjà été inscrits au budget 2021. Nature, cette fois-ci, 6 558, fonction 211. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. C'est la même délibération, mais appliquée cette fois-ci aux classes de maternelle. Je vous propose de la même manière de la mettre aux voix. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote ? S'abstient ? S'oppose ? Et j'en déduis que c'est adopté. Et je vous propose, pour continuer, puisque nous étions sur Notre-Dame, d'enchaîner avec Anthony Herry sur la convention de mise à disposition des éducateurs sportifs de la ville à l'école Notre-Dame des Oiseaux pour l'année scolaire 2021-22, en sachant que c'est la reconduction de celle de l'année passée que vous avez déjà votée. Donc bonsoir. Donc exactement, ouais, c'est la reconduction en fin de compte de cette convention. Donc dans le cadre de sa politique en faveur du sport scolaire, la ville a décidé de rédiger donc cette convention pour l'année scolaire 2021-2022, fixant le cadre et les modalités de son partenariat. Elle établit les engagements respectifs et des modalités de fonctionnement de ce partenariat. En particulier, la mise à disposition des éducateurs sportifs employés par la ville et les conditions de la participation financière de l'école Notre-Dame de Verneuil-sur-Seine. Donc c'est ce qui se passe aussi exactement sur les autres écoles élémentaires de la ville. Donc, considérant que la politique en faveur du sport scolaire de la ville de Verneuil-sur-Seine, considérant la volonté municipale de poursuivre des actions de sensibilisation à la pratique du sport des enfants sur le temps scolaire et considérant donc la volonté municipale de renouveler son engagement de partenariat avec l'école primaire de Notre-Dame-les-Oiseaux, pour l'année 2021-2022, le conseil municipal la passe donc au vote. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Oui. Moi, j'ai une intervention. Donc, on vient de voter deux délibérations juste avant pour financer des frais de fonctionnement de l'école Notre-Dame. Je ne sais pas, est-ce que ça ne leur suffit pas pour embaucher un éducateur sportif ? Et quel est l'intérêt de la ville de rester dans ce dispositif ? Si je permets... Alors, je réponds d'abord à la question ou... Parce que je peux répondre. Vas-y, vas-y. Il y a des enfants vernoliens aussi à cette école, et c'est pour mettre sur le même pied d'égalité tous les enfants vernoliens, tout simplement. Oui, mais les classes ne sont pas forcément constituées de vernoliens. C'est pour ça qu'il y a une participation financière de l'école, pour les enfants non vernoliens. Ouais, je comprends pas l'intérêt de la ville de participer à ça. Bah, ouvrir le sport pour tout le monde, tout simplement. Et utiliser le temps restant de nos animateurs également pour pouvoir faire bénéficier les enfants de Verneuil, même ceux qui sont à Notre-Dame. Voilà, il reste des temps disponibles. Voilà. On a des éducateurs sportifs qui ne sont pas suffisamment utilisés dans le contexte de la ville, c'est ça ? C'est un peu plus compliqué en fait, c'est sur les créneaux qui ne sont pas utilisés, oui. Mais de la même manière, on avait eu le même sujet avec l'école de musique sur la délibération du dernier conseil. Non, mais je ne sais pas, le sport pour les seniors, des choses comme ça. C'est le cas, il y a déjà des animateurs voilà. Sur le sujet. Oh, Nous avons déjà un animateur pour les seniors. Allez, je vous propose de la mettre au vote. Qui est-ce qui ne prend pas part au vote ? S'oppose ? S'abstient ? J'en déduis que c'est adopté et je vous propose de passer désormais à des délibérations un petit peu différentes puisque vous savez que chaque fin d'année, nous devons présenter les rapports des différents syndicats dans lesquels la commune fait partie.
Nous allons le faire en deux conseils municipaux, comme c'est possible. L'objectif étant de ne pas tout adresser ce soir, puisqu'il y a beaucoup de rapports. Donc pour ce soir, nous allons commencer par le rapport d'activité du syndicat intercommunal de la Maison de la Justice et du Droit de Val-de-Seine. Et je laisse la parole à Cyril. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter brièvement le rapport d'activité de la Maison de la Justice et du Droit. Donc, la Maison de la Justice et du Droit, son but, ce que ça apporte aux Vernoliens, c'est ça permet d'avoir un accès au droit qui est amélioré, puisque c'est par la Maison du Droit que tous les troisièmes vendredis du mois de 9h à 12h et tous les quatrièmes jeudis de 14h à 17h, on a un avocat qui vient gratuitement. Et pareil, écrivain public, les deuxièmes et quatrièmes vendredis du mois de 14h à 17h. Les rendez-vous sont à prendre en mairie. C'est des permanences de 45 minutes. Il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très sollicité. Il y a aussi d'autres permanences qui, pour le coup, se font au Mureau, que ce soit avec le défenseur de droit, l'association Crésus, des notaires, des psychologues. Ça permet aussi le traitement judiciaire, notamment par la venue d'un délégué du procureur ou des choses sur le règlement amiable de la justice, notamment le rappel aux règles de vie qui se fait, par exemple, à Janzay, ainsi que des actions plus ponctuelles sur la citoyenneté. La Maison du Droit, pour vous donner un aperçu, ça comprend des villes comme Blois, Chapelle et Mureaux, Verneuil, bien sûr, Aiguilly, Hardricourt, Melun ou Mézy. Ça couvre à peu près 86 000 habitants, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. C'est un syndicat qui a aussi des projets, bien sûr, comme densifier les rappels aux règles de vie, travailler toujours plus sur l'accès aux droits, notamment dans le cadre du numérique, et aussi permettre de développer les travaux d'intérêt généraux. À Verneuil, nous avons décidé de se lancer sur les travaux d'intérêt généraux, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour vous dire combien on en prendra et les tâches qui seront affectées. On a juste un accord de principe. Mais c'est des choses qui se font via la Maison du Droit. Bien sûr, je prends toutes vos questions. Je vois dans les perspectives développer le rayonnement intercommunal en intégrant davantage de communes. Pourquoi développer le rayonnement intercommunal? Enfin, c'est pour moi plutôt un centre de service à destination des usagers et des habitants de l'interco. Qu'est-ce que ça apporte à l'usager? Alors, si je puis me permettre, puisque c'est un sujet qui a pu être évoqué notamment à GPSEO, en l'occurrence aujourd'hui, il n'y a pas de, et je trouve ça très sain par ailleurs, il n'y a pas une obligation de faire partie des communes membres pour pouvoir aller à la Maison de la Justice et du Droit. Par contre, il y a des communes qui ont des populations très présentes ou très représentées en termes de demande de services et qui ne sont pas encore membres. Donc l'objectif de la Maison de la Justice et du Droit, c'est de pouvoir proposer un développement des activités de cette maison auprès des communes qui ont beaucoup d'habitants qui sont demandeurs et qui viennent chercher le service ailleurs puisqu'ils ne l'ont pas sur leur commune. C'est vraiment ça l'idée. Alors, du coup, je rebondis. Quelles sont les communes, justement, qui ne font pas partie? Donc, j'imagine que, en fait, ça veut dire que ça n'intègre pas, ça couvre pas toute la GPSEO, finalement. Et quelles sont les communes qui n'en font pas partie aujourd'hui et qui ça pourrait être intéressant de les inclure? Ouais, alors, je vais répondre à la question inverse, si vous me permettez. Je vais vous dire celles qui en font partie, parce que ça ira plus vite. Mais vous avez eu les documents, vous avez la liste, a priori. Donc, dedans, il y a Boifle, Chapelle, Les Mureaux, bien sûr Verneuil, Équevilly, Évêquemont, Flin, Gaillon-sur-Montsian, Hardricourt, Jusier, Lainville-en-Vexin, Melun, Mézy, Montalet-les-Bois, Tessancourt, Surobette et Vaux. Donc effectivement, c'est relativement peu de communes à l'échelle de l'intercommunalité. Tu vas pas oublier Les Mureaux? Je l'ai dit. Les Mureaux, je crois. Une question, il y a combien d'habitants de Verneuil qui vont à cette Maison de la Justice? Tu as une idée de ça? Alors, c'est compliqué d'avoir des chiffres exacts, mais en tout cas, il y a 8 rendez-vous,
Il y a 16 rendez-vous par semaine, par mois, pardon. Et après, il y a beaucoup de gens qui y vont directement, mais on n'enregistre pas toujours qui vient de quelle ville. Mais on sait que c'est très demandé et qu'il y a même des sollicitations téléphoniques. Donc, on pense, enfin, c'est assez demandé, oui. Aujourd'hui, la question avait été posée de savoir sur l'ensemble de ces syndicats quelle serait la position de la ville. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a certains projets qui ne peuvent plus se faire à l'échelle communale. Tout à l'heure, on parlait des tiges qui doivent se structurer sur ce type de structure. Vu qu'il y a de l'intérêt sur l'ensemble de ce bassin de vie et puis même au-delà, nous sommes en train d'essayer de travailler pour voir si ce type de service pourrait être développé, puisque cela permettrait d'abord de faire de la réinsertion et puis ensuite, typiquement, de pouvoir améliorer le quotidien de nos habitants en amenant des nouvelles forces vives qui pourraient, tout en se réinsérant, travailler pour la commune. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Je propose de la mettre aux voix. Attendez, juste encore, ouais. Juste un peu de détails sur travailler sur la détection des victimes invisibles. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les actions qui sont menées sur Verneuil là-dessus? Alors, sur la détection des violences invisibles, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment en cours de lancement par la Maison du Droit. Donc, pour l'instant, c'est trop tôt pour vous donner des éléments. Mais bon, c'est vraiment des projets, là. Mais vous voyez très bien de quoi on parle. Hein. C'est en l'occurrence, c'est tout ce qui est violence intrafamiliale, femmes battues, etc. Aujourd'hui, vous savez que ça fait partie de leurs compétences. On travaille avec eux sur ces sujets. Mais pour l'instant, les choses sont en train d'être développées. D'ailleurs, pas seules. Hein. C'est d'ailleurs une bonne chose. Ces syndicats, mais comme les différentes communes, travaillent en partenariat avec d'autres organisations et associations. Et dans ce contexte-là, ce sont des projets qui doivent être développés. Et Verneuil est moteur, puisque, vous le savez, nous avons connu quelques drames en la matière. Il est donc important de pouvoir mieux accompagner nos habitants, notamment par la maison de la justice et du droit, mais aussi par d'autres actions que nous aurons l'occasion de vous présenter prochainement. Si, oui, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au vote. Oh, mais au dernier point que vous venez de... Oh, bah, écoute, je suis trop petite, moi. Je voulais vous dire que nous, au niveau du CCAS, effectivement, ce qui concerne les violences faites aux femmes, etc., personnellement, on les reçoit, enfin en particulier, je les reçois, et je les dirige beaucoup sur les muraux à la police, parce qu'ils ont une assistante sociale qui, effectivement, après, fait le travail avec les nôtres pour pouvoir aider ces personnes. Donc, au CCAS, effectivement, on s'occupe aussi de ça. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de passer au vote, puisqu'il faut formellement le voter. Qui est-ce qui s'oppose, s'abstient ? J'en déduis que c'est adopté et que nous pouvons passer au rapport d'activité du syndicat intercommunal Andy-Val-de-Seine. Et je te laisse la main, Abder. Oui. Bah, rebonsoir. Bon, moi, je vais commencer. Bon, on vous a envoyé le document, c'est le rapport d'activité 2020. Donc, je ne vais pas lire tout, mais par contre, je vais lire quelques passages qui sont très intéressants, en même temps qui peuvent apporter des éclairages sur le fonctionnement du syndicat intercommunal et surtout sur Andy-Val-de-Seine, l'association de gestion. Un peu d'histoire, c'est en 1969 hein, que ça a commencé cette histoire de syndicat intercommunal sous l'impulsion du maire de M. Métayé des Mureaux, pour créer un IME, Institut Médico-Éducatif. Et là, il y avait un regroupement de 16 communes. Verneuil était parmi les premières communes à rejoindre le syndicat. Depuis, bon, il y avait M. Hers, qui était le maire d'Écuvilliers, qui a beaucoup œuvré aussi sur le développement du syndicat intercommunal et sur toute la prise en charge des personnes handicapées des communes. Après, il y avait M. Hubert François Dainville, hein, que je rends hommage parce qu'il a beaucoup travaillé sur la pulsion de cette association de gestion. Donc, c'est en 1992 que le syndicat intercommunal voit les choses... je dirais, il faut une gestion. Ils ont créé une association, c'est la loi 1901, pour
gérer les établissements. Aujourd'hui, il gère 23 établissements et services, dont le siège qui est Averneux-sur. Donc 22 qui sont dédiés à l'accompagnement des personnes handicapées et un service qui est le siège qui est dédié à la gestion et à la direction. Aujourd'hui, il y a 33, bon, 2020, il y a 33 communes. La dernière fois, il y a le dernier conseil municipal, il y avait la commune de Buchelet qui a rejoint ce syndicat intercommunal. Et aujourd'hui, il y a 34 communes. Avec un budget de fonctionnement plus une section d'investissement. Le budget de fonctionnement, il y a de 1 729 734. Et la section d'investissement, c'est de 12 427 291 35. Le budget des communes est réparti par rapport au nombre d'habitants. Un taux de 1,184 euros par habitant qui est arrondi à un montant euro sans centime. On constate que Verneuil il participe à peu près de 18 841 euros et le total de ces 33 communes, c'est 221,419 €. Ce qui est intéressant, c'est que l'association ou le syndicat intercommunal gère quand même ces 22 établissements qui permettent une prise en charge et un accompagnement des personnes handicapées ainsi que leurs familles de jeune âge, c'est-à-dire il y a un service qu'on appelle le CROPS, c'est-à-dire le centre d'action médico-sociale précoce qui est de 0 à 6 ans. Donc il y a une prise en charge très 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 précocement qui est la prise en charge des personnes handicapées. Et il y a le relais après, c'est des instituts médico-éducatifs, les foyers d'hébergement, les ESAT pour le travail. Et il y a aussi la prise en charge des personnes lourdement handicapées dans les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, les femmes, les foyers d'accueil médicalisés, etc. Il y a même l'accompagnement aussi des personnes qui vivent chez eux par le biais de centres d'accueil de jour ou le SAVS, le service d'action à la vie sociale. Il y a aussi un pôle TSA, ce qu'on appelle le trouble spécifique de l'autisme, ce qui est très très important aujourd'hui. On en parle beaucoup hein, de l'autisme parce que Sophie, tu connais tout ça dans les écoles, etc. Donc il y a vraiment une prise en charge du parcours de vie des personnes de zéro jusqu'à, je dirais, la fin de vie. Voilà ce que. Bon, après, vous avez chaque établissement, il y a un projet, etc. Je ne vais pas lire tous les projets. Par contre, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des demandes de prise de parole? Bon, bah j'en déduis qu'on va pouvoir voter. C'est alors. Juste une question. C'est, oui. Bon, ça a commencé en 1969. Vous savez que la loi sur l'handicap et la prise de conscience de l'handicap, c'est en 1975, hein, les premières lois. Donc, on était presque au-devant de la scène en 1969. Hein, et la création de l'IME, le premier numéro, c'était en 1972. Je propose de le mettre aux voix. Pour les deux rapports, évidemment, il faut prendre acte. Qui est-ce qui s'oppose, s'abstient? J'en déduis que nous avons pris acte. Nous aurons l'occasion de toute manière de reparler d'Andy Val-de-Seine durant les prochains conseils municipaux et puis en particulier pour aborder la question de leur siège, puisque vous savez que le siège est à Verneuil, que l'AG de la Garenne-l'Étang a voté la sécurisation de ce siège, mais que des questions seront à soulever, notamment sur les frais qui ont pu être mis sur ce siège. On aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler très prochainement. Je propose d'enchaîner avec la charte sur l'accessibilité. La charte d'accessibilité. Bon, malheureusement, la commission communale
de l'accessibilité, c'est, on s'est réunis qu'une seule fois, donc on a mis en place des points à retravailler, etc., et surtout l'élaboration d'une charte de l'accessibilité. On a élaboré une charte, ce que vous avez, hein, cette charte n'est pas très exhaustive, par contre, elle cadre un peu les principes de l'accessibilité, une prise en compte de tous les handicaps, surtout le traitement de la chaîne de déplacement dans sa continuité. Il y a plusieurs volets, hein, donc ça part de la concertation, l'information, jusqu'au transport et mobilité. Aussi, donc, il y a le transport en commun, transport spécialisé pour les personnes handicapées, transport individuel aussi, hein, pour permettre que le transport soit fluide, etc., et déplacement dans la ville. L'accessibilité des lieux publics, hein, ça concerne tous les lieux publics, tels que bon, la mairie, par exemple, les hôpitaux, etc. Il y a aussi les logements, ce qui est très, très difficile aussi aujourd'hui avec les bailleurs, etc., pour permettre l'accès, faciliter l'accès aux personnes PMR ou aux personnes handicapées. Même aujourd'hui, même les personnes âgées trouvent des difficultés dans des logements. Il y a aussi le travail, hein, le travail par le biais de reclassement, etc. L'éducation, la formation, donc là, on touche vraiment le côté éducation, la scolarité, etc. Il y a aussi le volet culture, sport, loisirs et vacances, hein, l'accès à des salles de sport, cinéma, piscine, bibliothèque et les monuments historiques aussi. Il y a la vie à domicile, hein, pour que les gens puissent vivre dignement et sans difficulté, avec l'intervention des personnes et l'aide humaine d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Il y a aussi la vie sociale, hein. La vie sociale, c'est tout ce qui concerne la vie dans la cité, par exemple les commerçants, les animations de la vie locale, etc. Voilà les volets qu'on a voulu toucher, etc., et développer, et faire un diagnostic par rapport à tous ces volets pour qu'on puisse travailler ces questions. Je sais que c'est très difficile, hein, de traiter l'accessibilité dans des communes comme par exemple Verneuil, où les trottoirs ils sont très très étroits, où il y a des pentes, etc., où les commerçants aussi ils sont situés dans des coins qui sont très difficiles à travailler l'accessibilité, parce que ça demande de l'argent, ça demande... L'accessibilité, il faut la travailler, pas... Il faut tout le temps la travailler, l'accessibilité, des années et des années. C'est vrai que Verneuil, des années et des années, ça n'a pas été vraiment traité, cette question d'accessibilité. Moi, je sais qu'on va y arriver à faire au moins quelques actes d'accessibilité qui sont très faciles. On commence par la facilité, telle que baisser les trottoirs, etc. Aujourd'hui, de toute manière, cette charte, c'est vraiment un lancement. On sait bien que ça prend du temps, on sait bien que ce n'est pas simple. On sait bien aussi que ça recoupe des compétences qui sont très différentes, celles de la CU, celles de la ville, et plus globalement aussi celles de bailleurs privés, et plus globalement de différents acteurs. Mais il faut bien un début, et par conséquent, je vous propose de voter cette charte qui nous permettra de lancer ce grand travail. Et je voudrais en particulier remercier ceux qui sont membres de cette commission, et Christian en premier chef, puisque tu as participé à son élaboration. Je ne sais pas s'il y a des demandes de prise de parole, des remarques ou des questions, le cas échéant, nous les prendrons. Pardon. Si je peux, oui, je voudrais prendre la parole pour m'exprimer au nom de tous les élus, et je fais partie, hein, c'est-à-dire que je tacle, mais j'en fais partie aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, mesdames, messieurs, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, la charte d'accessibilité et handicap, et quand je parle de handicap, je ne fais pas la manche, hein, comprenez-moi bien. La charte d'accessibilité et handicap nous oblige en fait à prendre en compte les situations aussi diverses et variées, tout aussi invisibles que démonstratives, parce que on peut parler ici des maladies invisibles, entre autres, et pas que.
Donc les personnes les plus jeunes, les personnes dans le grand âge aussi, on n'en parle pas assez. Et pourtant, à Verneuil, on a quand même une population de personnes dont l'âge ne leur permet pas d'être aussi agile qu'à 20 ans. Les familles avec les petits-enfants, les femmes enceintes, voilà. Moi, je vous invite, quand vous traversez la rue avec un petit enfant de 2 ans, je vous invite à traverser la rue où il n'y a pas d'abaissement de trottoir. Soit on abaisse les trottoirs, soit on met tous les trottoirs à 60 cm, comme ça, on sera tous à égalité. Voilà, en un mot, dans toutes les situations, qu'elles soient temporaires ou permanentes, à l'APF France Handicap, on dit qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont un handicap, visible ou invisible, petit ou grand, mais ont cette situation-là. Donc mon propos ici, ce n'est pas vraiment de stigmatiser les handicaps, ni de faire la manche, on va dire, entre guillemets. Mon intention ambitionne une prise en compte par tous les représentants de la ville et les citoyens, parce que c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre culture, ça, cette accessibilité. Et je ne parle pas du volet social, hein, on est bien d'accord, je parle du volet de notre environnement, en fait, de la ville. Voilà, donc il faut vraiment qu'on le prenne en compte. Et nous avons besoin de travailler ensemble avec les associations pour l'évolution de la qualité des déplacements de nos concitoyens dans la ville. Et c'est le rôle de la commission communale d'accessibilité. Donc depuis qu'on est aux commandes, alors je me mets dedans, hein, donc m'en voulez pas. Depuis qu'on est aux commandes de cette commission, on a fait une réunion pour décider de ce que l'on allait faire en une année. Moi, je trouve que franchement, pour une loi qui date de 2005, on est en 2021, donc je vous laisse calculer la différence entre les deux, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ancre dans nos esprits, en fin de compte. On ne peut pas dire on zappe ça parce que ça représente de l'argent. Non, ça ne représente pas d'argent, je pourrais vous dire pourquoi. Donc je voudrais vous faire remarquer, mesdames, messieurs, qu'à ce jour, on a vu l'espace Béjart qui a été réaménagé. Je voudrais dire à propos de cet espace Béjart, par exemple, qu'on aurait pu réunir la commission communale d'accessibilité pour se rendre compte que les garde-corps qui devraient être en place le long des escaliers n'existent pas. Voilà. Moi, j'ai vu quelqu'un l'autre jour qui a failli tomber entre le vide de l'escalier et le garde-corps existant. Bon, moi, je trouve ça dommage parce que c'est des choses... nous, les personnes en situation de handicap, on est des experts, on est des ambassadeurs de ce sujet-là. Donc, il faut parler avec nous. Et nous, on est très ouverts, en fait. Hein. Donc, un autre sujet. La semaine dernière, je suis passé devant la rue de la Faisanderie. Donc, il y a de la démolition en cours et il y avait des barrières sur le trottoir, ce qui fait qu'on est obligé de basculer les piétons de l'autre côté. Donc, la question que je me suis posée, j'ai dit, tiens, il y a des travaux, il n'y a pas d'arrêté municipal. Pourquoi ? Alors que le trottoir n'est pas praticable puisqu'il y a des barrières dans le cadre de la démolition. Donc moi, aujourd'hui, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a des travaux qui vont durer pendant 2 ans et il va falloir absolument qu'on parle du basculement de circulation et qui plus est, pourquoi pas faire payer aux promoteurs immobiliers les abaissements du trottoir d'en face. Puisque la chaîne du déplacement, elle est rompue, il faut la recréer de l'autre côté. Bah, écoutez, moi, je ne le fais pas payer aux Vernoliens, je le fais payer aux promoteurs immobiliers. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est possible, mais ce n'est pas trop mon problème. En fin de compte, je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire comme ça. Quoi. Voilà. Il y a un basculement de circulation, il faut qu'en face, on ait un trottoir qui soit adapté. Puisqu'on a un abaissement de trottoir, on est obligé d'aller sur la route et de reprendre après le feu rouge, de remonter sur le trottoir de l'autre côté. Pendant tout ce temps-là, vous vous faites raser les moustaches par les camions et les bus. Voilà. Donc, en plus, il y a 3 ans, alors là... avec l'équipe municipale précédente, mais j'ai parlé de ce rapport d'ailleurs qui est toujours disponible. On avait fait un rapport sur le boulevard André Malraux et tous les problèmes que l'on rencontrait sur ce boulevard. Et aujourd'hui, moi, ce qui me fait un petit peu mal au ventre, c'est que on a fait ça il y a 3 ans. Aujourd'hui, on n'a pas l'ombre d'un projet, c'est-à-dire qu'on ne s'est même pas posé la question de savoir quelles étaient les urgences. Et ça me fait dire une chose, c'est que peut-être que s'il y a des spécificités, des choses très particulières, pourquoi est-ce que finalement on n'engage pas des travaux, même si c'est des petits sauts de puce, bah, moi je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Moi je pense devant la mairie, je pense devant la caisse d'épargne, je pense devant l'espace Béjart. Je suis désolé, c'est pas adapté. Voilà. Voilà, donc mesdames, messieurs, les élus, monsieur le maire, mesdames, messieurs,
les élus du conseil municipal. Donc vous allez voter cette charte d'accessibilité, naturellement, dont l'utilité n'a de valeur et n'a de sens que si vous portez celle-ci comme un filtre incontournable dans tous les projets de travaux, d'une part, qu'ils soient pour les travaux ou qu'ils aient un caractère social. Il faut vraiment mettre ce filtre-là. Il est incontournable. Au même titre que la sécurité incendie, le filtre sécurité incendie, il est obligatoire. Et bien l'accessibilité, je vous le rappelle, c'est une loi en plus qui a été reprise en 2014. Ça fait 5 ans. Et en 2014, on avait 3 ans pour nous mettre à jour, ne serait-ce que du point de vue de l'inventaire des travaux à réaliser. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe un agenda d'accessibilité dans la ville de Verneuil. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie. Et donc, j'en prends autant que les élus, j'en prends autant que les services techniques. Je pense qu'on ne collabore pas assez. On est trop distant par rapport à ce sujet-là. On ne le prend pas au sérieux. Et pourtant, c'est un sujet de qualité de vie. C'est un sujet de qualité d'usage pour tous. Pour tous, une personne qui tombe sur un trottoir, elle se casse le genou, elle attaque la mairie, elle va dire quoi? Vous comprenez? Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Évidemment, sur ce sujet, nous sommes complètement alignés. Et si je puis me permettre, il y a des choses qui sont en cours, mais malheureusement, certaines choses sont très longues, notamment sur le boulevard André Malraux, des choses avaient été initiées, mais comme vous le savez, les compétences ne sont pas communales. Et par conséquent, nous sommes surtout en attente de retour du département en premier chef, de la CU au deuxième chef. Et par contre, pour ce qui est ce qui a été évoqué sur Béjar et sur les autres emplacements, je propose de pouvoir réunir de nouveau la commission pour pouvoir les aborder et puis avancer, puisqu'il y a des choses, en effet, je suis assez d'accord, qui pourraient être faites plus ou moins rapidement, c'est comme tout. Et il faut commencer par ce qui peut être fait rapidement afin d'ancrer le sujet dans les mentalités. Oui, Christian, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut que cette charte a vocation à mettre le doigt à chaque fois qu'il y a des travaux ou qu'il y a une ouverture d'un commerce, etc. Bon, nous sommes alignés là-dessus, hein, y a pas de souci. Bon, espérons qu'on va travailler cette. C'est pas facile, hein, l'accessibilité. Hein, il faut travailler, il faut persévérer. Je suis tout à fait d'accord avec. Allez, s'il y a. Retenez bien quand même que les handicapés, ça n'existe pas. D'accord. Il y a des personnes différentes, il y a des enfants en situation de handicap aussi, mais ce ne sont pas des handicapés, ce sont des personnes aujourd'hui que l'on dit extraordinaires. Je ne parle pas de moi, excusez-moi, je parle des enfants. Hein. On est d'accord. Je voudrais juste poser. Je suis bien d'accord avec vous, Christian. Oui, monsieur Naville, vous avez rajouté. Je voudrais juste poser une question technique sur les compétences de la police municipale. Quand je lis l'article L2212-2, il est indiqué que la police municipale a pour but d'assurer donc le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique. Et elle comprend notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues. Et je me demandais, est-ce qu'on peut utiliser cet article-là pour justement accélérer certaines situations, telles que celles décrites par Christian, notamment, par exemple, sur... la partie du trottoir qui est bloquée et qui empêche, par exemple, le passage comme il convient. Vous m'entendez ? Je ne peux pas répondre directement à votre question, qui n'en est pas une, d'ailleurs, qui est une suggestion, mais qu'on peut retenir. Simplement, je voudrais vous donner un peu la situation. Actuellement, nous avons fait 6 demandes d'abaissement de trottoir à la communauté urbaine pour réaliser de nouveaux passages piétons. C'est la loi, hein. Si on fait de nouveaux passages piétons, il faut qu'ils soient accessibles au PMR et donc faire des abaissements de trottoirs. Ces 6 demandes sont pour l'instant sans suite, des raisons budgétaires ou autres. Ce sont des demandes qui sont portées aussi par la police municipale qui fait une étude sur le terrain pour savoir la pertinence du passage piéton. Concernant les chantiers, le problème que nous avons, c'est qu'il faut les diviser en deux, en fait. Vous avez les grands chantiers, et là, je pense qu'en se rapprochant de Gênes, on peut en effet peut-être envisager dans les projets qui nous sont soumis d'exiger que dans le déroulement, dans la vie du chantier, les questions que M. Lelièvre a soulevées soient prises en compte. Et puis après, il y a les petits travaux. Et aujourd'hui, on reçoit souvent les demandes d'arrêter dans la semaine qui précède les travaux.
On a demandé à ce que ces demandes d'arrêté arrivent plus tôt, notamment aux grandes entreprises, mais c'est très difficile de les avoir plus de 3 semaines avant. Donc c'est difficile en 3 semaines de leur demander de réaliser des aménagements de trottoirs. Mais pourquoi pas après tout ? Il faut qu'on en discute tous ensemble. Et là, je pense que c'est un sujet qui fera consensus entre nous. Pourquoi pas dire qu'à Verneuil, tous travaux doivent prendre en compte cette charte d'accessibilité que nous allons voter ce soir. C'est ce que nous allons faire dans la foulée. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose de la voter. Moi, je t'en prie. Je rajouterai juste une chose par rapport à la notion de travaux. Moi, j'ai 25 ans de bâtiments et travaux publics et je peux vous dire que je n'ai jamais occupé la voirie sans un arrêté municipal parce que je recevais la police. D'accord ? Et j'avais une amende. Voilà. Donc, à Verneuil, il n'y a pas de raison qu'on fasse... Non, mais les arrêtés sont signés, monsieur Liav. Le problème, c'est que des fois, les entrepreneurs ne les affichent pas. Ce qu'on a constaté à plusieurs reprises. Mais on n'autorise pas de travaux sans arrêter. Hein. Donc sur la démolition, aujourd'hui, il y a un arrêté municipal qui autorise. Donc quand on autorise les gens à faire un barrage de rue et que, étant donné que l'on sait que c'est un chantier d'envergure, il va falloir que vous nous présentiez, s'il vous plaît, moi je vous le demande, hein, le plan d'installation de chantier avec le basculement de circulation des piétons et puis que l'on en discute. Voilà. Entièrement d'accord. Merci. Bien sûr, en l'occurrence, pour ce qui est de la faisanderie, vous savez, le trottoir qui va être condamné, hein, clairement, c'est celui qui mène à l'arrière du cimetière. Une des possibilités, enfin, une des choses qui a été retenue, c'est de privilégier l'autre entrée. Mais je propose qu'on puisse se pencher dessus ensemble, puisque aujourd'hui, ce n'est pas le seul chantier qui pose la question. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce que chacun des chantiers puisse être passé au radar de cette commission. Pardon, bah, monsieur le maire. Je voudrais quand même ajouter que systématiquement, on le fait. Hein. Quand on fait le plan d'installation du chantier, on fait l'analyse de tout ça, y compris pour les handicapés. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Quartus, qui a livré ses appartements, la veille de la livraison, lui a fait changer sa sortie pour les handicapés de telle façon qu'il soit juste face au passage clouté qui lui permet de traverser. Et on fait ça systématiquement pour tous les chantiers, avant, pendant et après. Je vous propose de la voter. Qui est-ce qui s'oppose ? Qui est-ce qui s'abstient ? J'en déduis qu'elle est votée à l'unanimité et c'est normal, mais encore une fois, ce n'est que le début maintenant, comme on dit, sur ce sujet au boulot. Je vous propose de passer à la dernière délibération avant la lecture des décisions. La dernière délibération est relative à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. Michel Debjet. En l'occurrence, ce dernier, adjoint au maire, a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle dans le cadre d'un contentieux qui l'oppose à M. Laurent Pradel. Tout comme nous l'avions eu l'année dernière pour une autre demande, à savoir celle de mon prédécesseur, pour ma part, chaque demande de protection fonctionnelle, lorsqu'il y a un conflit qui va devant les tribunaux, il me paraît normal de l'accepter. Dans la foulée, par contre, il est également normal de pouvoir rendre compte des décisions juridiques qui s'ensuivent. Par conséquent, je vous propose, puisqu'il y a demande, de pouvoir la voter et je répondrai à toutes les questions en sachant que M. Debjet a quitté la salle pour ne pas prendre part au vote, ce qui est normal. J'ai une déclaration, s'il vous plaît. Je vous en prie. Le régime de la protection fonctionnelle des élus locaux s'inscrit dans un cadre juridique spécifique qui répond à des cas de figure très particuliers. Accident, poursuite civile ou pénale, outrage et violence liées à la qualité d'élu. Invoquer la protection fonctionnelle n'est donc pas une démarche anodine et sans conséquence. Sur la forme même de la démarche dont nous parlons, nous sommes particulièrement étonnés que la majorité municipale ait le réflexe judiciaire et du rapport de force, alors même qu'elle se revendique du dialogue et de nouvelles pratiques de démocratie participative. C'est un signe de fébrilité et un réflexe de facilité qui ne nous semble pas compatible avec un exercice exemplaire et apaisé d'un mandat d'élu local. Les élus d'Alternative citoyenne, pour Verneuil, sont au contraire convaincus qu'il est indispensable d'épuiser toutes les voies du dialogue et de la médiation avant de recourir à des voies judiciaires qui ne doivent constituer qu'un ultime recours. Les principes mis en avant par la majorité dans ces très nombreuses communications devraient se traduire dans les faits et les actes de ces élus. C'est pourquoi nous demandons le report de cette délibération tant que toutes les voies de la médiation ne sont pas épuisées. Alors si je puis me permettre, deux choses. La première chose, c'est bien entendu que la médiation est une priorité. Maintenant, à partir du moment où il y a des élus, quels qu'ils soient, majorité ou opposition, qui feront la demande, il me semble normal de pouvoir la mettre aux voix du conseil municipal qui est souverain. Deuxième chose, en l'occurrence sur ce contentieux-là, moi je n'ai pas du tout à porter de jugement sur le fond. En l'occurrence, si vous voulez tout savoir, et je pense qu'il y a des témoins autour de la table, j'ai pu moi-même échanger très
très longtemps et d'ailleurs très bien avec le requérant, M. Laurent Pradel, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours. Maintenant, le contentieux ne concerne un élu, il fait ce qu'il veut. Et si demain, il y a un sujet, ce n'est pas pour autant qu'il faut que nous, en tant que majorité, sous prétexte que vous êtes un élu d'opposition, on ne votera pas cette demande de protection fonctionnelle. Après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Vous savez, vous connaissez ma position, typiquement celle de l'année dernière, lorsque M. Totou a demandé cette même protection sur le fond. Maintenant, sur la forme, tout élu qui en fait la demande, il me paraît normal de lui proposer. La médiation, le dialogue est une priorité, mais je voudrais juste en profiter pour ajouter une petite chose. On a pu remarquer ces derniers mois qu'il y a comme un nouvel espace de non-droit qui s'est créé. Ça fait longtemps que les réseaux sociaux alimentent les débats et je trouve ça plutôt sain et je ne vais pas dire le contraire moi-même, vous savez que j'en fais usage. Mais je suis assez étonné, et j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'échanger avec différents élus vraiment de tous bords et au-delà de la commune, pour remarquer qu'autant un débat en face à face est toujours intéressant, on apprend, on n'est pas forcément d'accord, mais on s'entend, on s'écoute. Autant sur les réseaux sociaux, de plus en plus, l'insulte, la fake news, la cacophonie prend le pas sur un vrai débat qui pourrait avoir du sens. Par conséquent, il ne faut pas croire que c'est un espace de non-droit. Et en l'occurrence, vous savez, cette délibération est relative à ce qui a pu se produire sur les réseaux sociaux. C'est que le début, pour plusieurs raisons. C'est qu'il me semble important, oui, de répondre aux questions qui sont fondées. Et à tous les débats, on a le droit de ne pas être d'accord, y compris sur les réseaux. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que nous laisserons passer, en tant qu'élus, tout et n'importe quoi. Vous savez, il y a maintenant plusieurs mois, il y a eu notamment sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas fait état au conseil municipal, mais je pense que pour le coup, tout le monde sera d'accord, des insultes directes qui avaient visé des policiers municipaux. Immédiatement, puisque la question était posée, j'ai demandé que les plaintes soient déposées. Il est normal que nous protégions l'ensemble de nos agents, et puis évidemment que les élus puissent se protéger en utilisant leurs droits, lorsqu'ils sont attaqués, que ce soit dans la vraie vie, entre guillemets, même si les réseaux sociaux ne sont pas moins de la vraie vie, comme sur les réseaux sociaux. Par conséquent, je ne vais pas reporter cette délibération, on va la voter, et par contre, je laisserai le juge souverain dire si oui ou non il y a lieu ou pas d'avoir raison pour l'un ou pour l'autre des parties. Et puis, il me semble important de pouvoir faire ensuite une communication au conseil municipal sur les résultats du procès. Je crois que le procès pour la demande de l'année dernière a été tout juste passé et que dans les prochaines semaines, prochains mois, nous aurons les résultats. Il faudra en faire état au conseil municipal puisque ce sont des délibérations que nous votons ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres demandes de prise de parole. Oui. Moi, j'avoue que je suis assez perplexe en fait dans cette démarche que vous entreprenez. D'abord parce que je trouve que il y a un climat conflictuel même au sein de ce conseil municipal et qui dépasse largement les bornes de l'acceptable. Moi, ce que je vois, c'est que dans cet échange qu'il y a eu, je vois qu'il y a un élu qui est impliqué et qui lui-même tient des propos désobligeants, en tout cas qui peuvent être considérés comme désobligeants. Mais là, vous jugez le fond, hein, si je puis me permettre. Ce n'est pas la même chose, parce que juger le fond, on peut le faire à part. Et je veux bien avoir un débat sur le fond. Vous venez de parler que dans le débat sur les réseaux sociaux, il y avait malheureusement un dépassement des limites de l'acceptable. Et donc j'interviens là-dessus. Et je dis qu'il y a une question aussi où des élus, en fait, on voit bien que la réponse de M. Pradel, elle intervient, enfin je n'ai pas tous les détails, c'est ça qui est très compliqué. En fait. Elle intervient après qu'il y a une discussion houleuse sur les réseaux. Donc, derrière cette intensité qu'il y a derrière les réseaux, parce que tout le monde est derrière son écran et donc on perd de vue un peu parfois la bienséance qu'on a en fait quand on se croise. Mais voilà, la deuxième chose, c'est que vous dites à très juste titre que finalement vous la proposeriez pour aussi les élus d'opposition s'il y en avait besoin. Mais finalement, M. Debjay, il s'est abstenu sur le vote de la protection des élus pour M. Philippe Totou. Donc on voit bien que derrière cette discussion... Oui, mais attendez, faites pas le procès d'un élu, faites le procès d'un vote. Si vous voulez qu'on rappelle, en l'occurrence, la majorité a permis le vote de cette protection fonctionnelle. Si vous souhaitez vous abstenir, libre à vous. J'ai aucun problème, chacun aura la liberté de son vote ce soir. Je pense que c'est important de mettre en lumière que celui qui demande à ce qu'on lui mette à sa disposition la protection fonctionnelle a lui décidé de s'abstenir là-dessus
et j'aurais bien aimé avoir les explications de pourquoi. Bon, si je continue sur cette démarche-là, et je pense que c'est aussi le point, c'est que on voit bien que y a des rapports conflictuels qui se font même au sein de ce rapport, de ce conseil municipal, et moi je le regrette profondément. Vous m'avez traité d'hippopotame, hein, vous m'avez dit que j'étais primitif. D'autre part, à propos, par exemple, de Mme Muard, vous l'avez traité d'incompétente. Hein. Je trouve que tout ça, et aujourd'hui, j'ajoute... Oui, mais là, vous êtes en train de traiter encore une fois le fond, si je puis me permettre, parce que moi, je peux lister tout ce qui est sur les réseaux sociaux et tout ce qui a été dit sur le Conseil, sur la majorité, sur nos décisions, si vous souhaitez. Y compris encore ce soir, vous avez fait des insinuations sur des coups que vous ne connaissez pas. Donc, si je puis me permettre, ne jugeons pas le fond, jugeons la forme. Et alors, en l'occurrence, vous votez ce que vous voulez, mais là, il s'agit d'une simple demande de protection fonctionnelle et non pas de juger le fond. Ce sont deux choses très différentes. Attention. Si j'avais dû juger le fond sur l'affaire de l'année dernière relative à la demande de protection de Philippe Tautou, je pense que je me serais beaucoup plus étendu sur le fond et j'aurais donné des éléments. Et puis, au-delà des éléments, ma position. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait à l'époque, je vous le rappelle. Alors, attendez. Parce que là, attention, confondez pas tout. Le fond et la forme. Ne confondez pas tout. Je connais très bien mes sujets. Et si vous voulez parler à nouveau de l'avenant, on peut parler de l'avenant. Donc non, je ne parle pas de l'avenant, je vous parle de la protection fonctionnelle de la dernière fois. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une attaque personnelle. Hein. Vous avez dit quoi? On est là pour parler de l'avenant. On n'entend pas. Hein. Vous faites malheureusement une attaque personnelle. Mais pas du tout. Quand vous dites que je ne connais pas mes sujets, je connais mes sujets. Si vous voulez que je vous fasse le descriptif des avenants un par un, je vais le faire. Bon. Ce n'est pas le sujet. Okay, donc, restons sur le point. C'est que vous avez tenu, vous aussi, des propos désobligeants dans cette Assemblée et vous ne vous êtes jamais excusé. Monsieur Dainville, si vous souhaitez porter plainte, libre à vous et je vous donnerai la protection fonctionnelle. Je n'ai pas de souci. Après, on ira en procès et vous verrez si vous gagnez ou si vous perdez. Je m'en fiche. Je ne suis pas sur le fond, je suis sur la forme. Ce que j'essaie de vous dire, vous venez de démontrer ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'on s'étonne justement, que vous ayez ce réflexe judiciaire très rapide. On est dans un cas où on est en train de discuter au conseil municipal et vous êtes déjà en train de nous parler de si vous avez envie de porter plainte contre moi. Non, non, je parle de la différence entre le fond et la forme. Non, vous avez dit clairement, si vous voulez porter plainte contre moi, allez-y. Oui, c'est la différence entre le fond et la forme. Oui, mais attendez, ce que je veux dire, c'est que on voit bien ce réflexe systématique. Non, non, vous ne confondez pas. Mes propos sont sur le fond et la forme. Je dis que si quelqu'un porte plainte, il y a une demande de protection fonctionnelle. Maintenant, ce n'est pas pour autant que je dis qu'il faut en arriver là. Vous venez de dire à M. Blaise, si vous voulez porter plainte contre moi, faites-le. Ce que je veux dire, c'est que vous avez ce réflexe systématique. Excusez-moi. J'ai juste une petite question, là, parce qu'on n'arrête pas de parler, là. Est-ce que c'est un droit, oui ou non? Oui. Voilà, c'est un droit, point. Donc, moi, j'ai fait ma déclaration qui explique notre position vis-à-vis de la majorité. Oui, mais après, on peut faire du blablabla, on peut continuer comme ça, mais ça reste un droit. Donc, on vote, oui, est-ce qu'on donne le droit, oui ou non? C'est très simple. Pourquoi on rend compliqué les choses? Pourquoi on le rend compliqué? Et accessoirement, j'ai beaucoup de mal à comprendre en quoi ça devient subitement un problème de porter plainte quand on est victime d'une infraction. On a l'impression, à écouter l'opposition, que quand on porte plainte alors qu'on est élu, c'est un scandale. Excusez-moi, moi j'ai voté la protection fonctionnelle pour Philippe Tautou. Je la voterai aussi pour l'opposition s'il y a un besoin. Là, c'est Michel Debvge qui la présente parce qu'il estime qu'il est victime d'un délit. Enfin, excusez-moi, c'est quoi le problème de porter plainte quand on est victime d'une infraction? De quoi est-ce qu'on parle? Excusez-moi, vous m'avez complètement perdu là. Expliquez-moi pourquoi c'est un problème de porter plainte si on est victime d'un délit. Alors, on va le faire en off parce que je pense que ça gêne des gens de l'Assemblée qu'on en parle. Ah bah moi pas. Hein. Alors, attendez. C'est vous qui en parlez, maintenant vous ne voulez plus en parler. C'est bizarre comme réflexe. J'ai pas entendu. Moi je suis intéressé sur la table et maintenant vous ne voulez plus en parler. Donc, je comprends pas. On vient d'expliquer qu'en fait on est en train de faire du blabla et que c'était juste une demande et qu'on devait juste voter pour dire si on était d'accord. Passons au vote et on passe au vote. Voilà. Allez, qui est-ce qui saute? Non, attendez. Bah attends, on attend quoi? On passe au vote et on discute après en off comme M. Lussou l'a proposé. C'est plus simple, ça fait pâcher le monde comme ça. Avec grand plaisir, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis toujours prêt à la discussion. Eh ben on discute après et on vote. Non. Est-ce que quelqu'un veut voter pour savoir si on vote? Attends. Solution à proposer, on fait un vote à bulletin secret et le problème est réglé. Hein. Alors, c'est simple. Monsieur Dainville, allez-y. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pourquoi je suis sur la symbolique, hein, la question, c'est
la qualité du débat démocratique. C'est ça qu'on a en ligne de fond. C'est ça qui est très important. C'est comment on échange. Non. Confondez pas les sujets, encore une fois. Le sujet, c'est on a un élu qui se sent attaqué. Est-ce qu'il a le droit ou pas de porter plainte? On n'est pas sur la qualité du débat public, ça, on peut en parler, c'est un autre sujet. Je vous propose de le mettre au vote et ensuite on en parlera. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si vous voulez, si vous menacez de faire un procès ou de porter plainte contre systématiquement vos opposants, on va atténuer la qualité du débat public et du débat démocratique. C'est ça qui est en ligne de fond. Nous n'attaquons pas nos opposants. Vous venez de dire auparavant que finalement c'est quelque chose que vous avez. Nous attaquons ceux qui font des délits. Si l'opposition ou si la majorité ou si n'importe qui commet un délit, c'est normal qu'il y ait des suites. Attendez, c'est normal. Pour caractériser le délit, il faut être juge. Ah mais c'est pour ça qu'on donne une protection fonctionnelle donc, pour qu'il y ait un jugement. Vous ne pouvez pas dire que c'est un délit pour l'instant. Il y a quelqu'un qui se sent victime de quelque chose, c'est différent. Donc, vous n'êtes pas juge. Bah, vous non plus. Moi non plus. Mais ce que donc je veux propose dire là, qu'on demande à un juge de trancher et donc d'accorder la protection fonctionnelle. Allez, je vous propose de passer au vote. Excusez-moi, monsieur le maire. Juste une question. Juste. Si on la vote aujourd'hui, il est voté, on peut la refuser après. Non, ce soir on la vote, mais après c'est au juge non, de décider. Non, mais moi je la refuse. Quand quelqu'un m'attaque, je refuse cette bien protection. Sûr. Bien voilà. Sûr. Mais par contre, chacun peut faire une demande. Oui, monsieur Moreau, vous avez une remarque. Première question, est-ce que la plainte a été déposée? Je ne sais pas. Non, parce que la proposition, c'est quand même d'accorder la protection fonctionnelle de la commune dans le cadre de la procédure pénale. Mais s'il n'y a pas de plainte qui a été déposée, mais si je puis me quelle permettre, procédure pénale on invoque? Si je puis me permettre, monsieur Moreau, je n'avais pas posé la question et vous ne l'aviez pas posée non plus l'année dernière. Monsieur Debjé a demandé une protection fonctionnelle l'année dernière. Désolé, elle était dans la délive. Elle était dans la délive. C'était écrit, les deux plaintes étaient référencées avec les deux codes. Et la plainte est déposée à titre personnel. Donc, est-ce que c'est M. Debjet, ou est-ce que c'est M. Biebjet, adjoint au maire, qui porte plainte? C'est en tant qu'adjoint. C'est normal. D'accord. Comme le stipule l'article 28 du règlement intérieur, nous demandons un vote à bulletin secret sur cette délibération. S'il y a plus de combien de pourcents du conseil qui en fait la demande? Donc, vous êtes... Un tiers des présents. Oui. Donc, les procurations ne comptent pas. Tout à fait. Qui est-ce qui demande un bulletin secret? Eh bien, on le fait, j'ai aucun souci. Est-ce qu'on peut vous demander une suspension de séance le temps de la préparation, s'il vous plaît? Ben non, parce que justement, c'est vous qui avez fait la demande, donc on va maintenir la séance pour que vous puissiez constater la logistique et sa demande de nos services.
S'il vous plaît, on va demander de se rasseoir parce que la séance n'est pas suspendue, comme je rappelle. Alors, je vais préciser ce que vous allez marquer sur les bouts de papier parce que sinon on ne va pas s'en tirer. Donc on va poser la question pour que vous puissiez écrire la réponse. Alors, suite à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. Debjet, est-ce que vous souhaitez l'accorder, auquel cas vous écrivez sur votre papier oui, la refuser, auquel cas vous écrivez non, et puis si vous souhaitez vous abstenir ou voter nul ou ne pas participer, c'est plus facile. Merci. J'en profite. Juste pour vérifier, est-ce que tout le monde a un bout de papier ? Peu importe, sur le nombre de pliages, ça n'a pas d'incidence sur le vote, même si vous le faites en origami. Tu votes pas, toi ? Je vous rappelle encore une fois, de toute manière, que c'est un droit. Allez, on va ramasser. Le temps que l'urne arrive. T'es sérieux ? On le rate pas. Ouais. Ouais, on le rate pas. C'est un carton. Ouais, surtout les montées sont pas le détail de la. Nous allons pouvoir procéder au dépouillement. Et pour qu'on ne nous accuse pas de falsifier les votes, Monsieur Moreau, c'est vous qui avez proposé qu'on procède ainsi. Je vous demande de venir nous aider pour dépouiller.
Il y a 28 votes recensés. Hein. Donc je vais donner les résultats et on va noter. Donc le premier vote, c'est non. Le deuxième vote, c'est non. Le troisième, non. Le quatrième, oui. Oui. Non. Oui. Oui. Un blanc. Oui. 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 Avec un petit cœur. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Mais... Oui. 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 Non. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Merci beaucoup. J'en déduis que la délibération est adoptée. 15 oui, 12 non et un blanc. Je vous propose désormais de passer au vote. Il faut peut-être rappeler Michel. Oui. Les votes des délibérations étant passés, je vous propose désormais de passer au compte-rendu des décisions. De manière traditionnelle, la première est une convention de formation professionnelle au bénéfice de M. Enzo Roquet, apprenti éducateur sportif, avec l'organisme CFA Omnisport pour un montant total de 6 525 euros. La deuxième est relative à une convention de formation professionnelle au bénéfice de M. Lucas Dussanec, apprenti animateur, avec l'organisme CFA des métiers du sport et de l'animation, ARFA, pour un montant total de 2 900 euros. Le contrat de prestation de services et de maintenance ILO Q5 série pour des services de la ville de Verneuil pour les montants relevant de la redevance de licence S5S et S5S10 online, pour des montants respectifs de 165 et de 61,90 euros. Un contrat de prestation de maintenance de l'autocom de la mairie de Verneuil pour un montant annuel de 2640 euros. Un contrat de location de matériel entre la ville de Verneuil et l'entreprise Télémamoni pour le loyer mensuel pour les deux terminaux et de 52 euros imputés au budget de l'espace Maurice Béjart. La convention de cession de l'exposition L'Arbre de mon père sans contrepartie financière. Le contrat de location d'une batterie de traction pour le fonctionnement d'un véhicule électrique type Renault Zoé pour un montant mensuel de 61,66 euros hors taxe, soit 74 euros toutes taxes comprises pour une durée de 48 mois à compter du 1er juin et un coût de 100 km supplémentaires de 4,16 euros acheté, soit 5 euros TTC. La convention de partenariat entre la ville et l'école Notre-Dame-les-Oiseaux pour des interventions musicales en temps scolaire avec des contreparties financières de la part de l'école de 1890,24 euros. Le contrat de cession entre la ville et The Link Tree dans le cadre d'Octoberfest du 16 octobre dernier.
Le contrat de cession entre la ville et Didier Collet, représentant du groupe Caredas dans le cadre d'Octoberfest également, pour un montant de 1 758,86 € TTC. Le contrat de cession entre la ville et l'association Le Monstre Orchestra dans le cadre de la saison culturelle 21-22 pour un montant de 600 € TTC. La convention de prêt d'instruments de musique entre la ville et messieurs Arnaud Getty, Armand Desprez et Mohamed Gassani, en l'occurrence sans contrepartie financière. La convention de formation professionnelle continue au bénéfice de madame Juliette Tajman et l'organisme ANPDE pour un montant total de 500 €. La convention de partenariat entre la compagnie des Trois Pas dans le cadre d'une programmation d'un spectacle à l'occasion du mois des bébés lecteurs pour un montant de 292,50 €. Un contrat de cession entre la ville et le théâtre La Toupine dans le cadre des journées de l'horreur du 31 octobre dernier pour 2037,42 € TTC. Le contrat de cession entre la ville et Sonotech dans le cadre des journées de l'horreur également pour 1 458 € TTC. Le contrat pour la programmation d'actions culturelles dans le cadre de la résidence d'écrivain d'Émilie Saïtas sans contrepartie financière. La convention de prêt d'instruments de musique entre la ville et l'association Orchestre Philharmonique Francilien sans contrepartie financière. Le contrat de cession entre la ville et Ariane Dolphus dans le cadre de la saison culturelle 21-22 pour 750 € TTC. Le contrat de cession entre la ville et l'association Difétis dans le cadre de la saison culturelle 21-22 qui a été en l'occurrence annulée. La convention organisant la conférence sur la représentation de l'Holocauste au cinéma du 9 décembre prochain dans le cadre du cycle Cinéma et Histoire avec le montant des frais de prestation s'élevant à 150 € auquel s'ajoute le défraiement d'un repas d'un montant de 18 € maximum pris en charge sur le budget de l'espace Maurice Béjart. La convention organisant de la même manière, dans le cadre du cycle Cinéma et Histoire, une conférence sur le thème des femmes dans l'Antiquité le 27 janvier prochain, avec des montants de frais de prestation de conférence de maximum de 400 € et toujours un défraiement maximum de repas, maximum 18 €. Enfin, un contrat pour entretien et maintenance des matériels de projection numérique de l'espace Maurice Béjart pour un montant mensuel de 158,35 € et le renouvellement d'une convention d'occupation précaire au 12 rue de la Pierre à Verneuil entre le 1er juillet 2021 et le 15 novembre 2021 avec un loyer mensuel qui était fixé à 675 €. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de prise de parole ou des remarques ? Je voudrais avoir des précisions sur le contexte dans lequel s'est fait les prêts d'instruments de musique. Alors, il y a à des particuliers et puis à l'Orchestre Philharmonique Francilien. Bonjour, bonsoir. Pour l'Orchestre Philharmonique, ils avaient besoin pour un concert en local d'un instrument, je ne sais plus lequel en particulier, mais un instrument volumineux. Et ils nous ont demandé si on pouvait leur en prêter un pour le concert, ce qu'on a gracieusement fait. Et pour les particuliers, ce sont des instruments qui étaient dans des armoires de l'école de musique non affectées. Et pour des élèves débutants, plutôt que de leur faire acheter les instruments, on leur a prêté gracieusement de la même manière. Merci. Et ma dernière question, ça concerne la convention d'occupation du 12 rue de la Pierre. Quel est le contexte en fait ? En l'occurrence, il s'agissait d'un bail qui avait été passé par la majorité précédente avec de mémoire un particulier, monsieur Viseux. Et en l'occurrence, nous avons communément de part et d'autre demandé à ce que le bail soit rompu, mais auparavant qu'il soit régularisé. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet, je voudrais terminer ce conseil en vous rappelant plusieurs dates. D'abord, rendez-vous ce vendredi 19 novembre à 19h, ici même, pour les états généraux des Briques Rouges, si vous habitez un des quartiers respectivement du Manoir, des Pâtures, de la Garenne-l'Étang ou du Parc Noir. Évidemment, ce sera l'occasion de pouvoir échanger sur la progression du dossier et plus globalement de vous écouter et de lancer cette étape nécessaire de dialogue pour pouvoir enclencher de suite après la rénovation de ces quartiers. Également, cette semaine, nous avons des temps forts avec les assises pour les associations, pour les clubs de sport et les professionnels de santé qui ont lieu ce week-end. Ce sont des événements qui sont malheureusement pas ouverts au public parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, il y aura beaucoup de monde déjà. Mais il me semblait important de pouvoir l'évoquer ce soir puisque c'est l'occasion de pouvoir tenir les promesses que nous avions formulées durant la campagne. Sur cela, je me propose de clore le conseil municipal. Je vous remercie. Et puis, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, je vous propose de pouvoir les prendre, bien sûr.